Hop, hop, hop. Ouf, me voilà. Ouh là 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 là. Bah, ça a été dur. Hein. Ça a été chaud, chaud, chaud. Bon, excusez-moi pour le contretemps. Mais, bah voilà. J'ai eu un impératif et j'ai été un petit peu coincé. Bon, bah, du coup, ça finit par s'arranger. J'avais dit 15h15, Marignan. Bon, il est 15h30. C'est le quart d'heure. Alors, c'est le quart d'heure savoyard, ou le quart d'heure franc-comtois, ou le quart d'heure picard. C'est le quart d'heure. C'est le quart d'heure franchouillard. Tu dis 15h15, t'arrives à 15h30. Alors, qui est là? 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 Salut Villa, salut Lenny, salut Docteur Peace, salut Petit Luc, salut Dame Dodo, embarquement Castor en vue. Ouais, salut G1. C'est quand même sur la nouvelle programmation. Pop, pop, salut Aya Peach. Docteur Pi, oui, c'est bon. Salut Max. Salut By Swizen. Oh, pop, 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 pop. Bon. Alors. Salut JD. Vous avez vu, donc, au petit terrain de Niagara, il y a un fantôme qui essaye de faire la course. On l'a battu. On l'a battu. Ouais. Rien ne va plus vite que notre petit castor. Alors, je sais pas si je l'ai démarré et il avait l'air d'être tout allumé le truc. Bon, j'espère qu'on va pas vider la batterie. J'espère qu'on ne va pas vider la batterie. Ça serait dommage. Ça serait dommage. C'est pas ça que je voulais mettre. C'était ça. Alors la fiche. Ottawa. Je la découvre hein, parce que je viens juste d'arriver, donc je l'ai récupérée. Ah, il y a écrit. Ah ouais, elle est douée. Ah oui. Ah, il y a même le castor. Donc là-bas, je pense que c'est le Parlement ottawanais. Mais on va découvrir ça parce que j'ai rajouté une petite scène. Petite scène d'Ottawa VFR fait par Sean. Ben Sean AT. Qu'on trouve sur le site Canada 4 X-Plane. Je crois qu'il y a une signification, mais je sais pas laquelle. Ça a l'air bizarre. Ouais, j'ai lu sur le sol, ouais. Ouais, je l'ai repéré. Bah, je commence à repérer tes... On a le symbole de la compagnie aussi. Cool. Très très cool. Bon, bah, on va pas trop traîner. Heureusement que c'est une petite étape. C'est une petite étape. On n'a pas regardé la météo. Ce matin, c'était pas mauvais. J'ai regardé ce matin avant de partir de chez moi. Sky Vector, c'est le site que j'aime bien. Niagara, pas de vent, visibilité 10, clair, moins 2. Oh, là, il fait trop chaud là-bas. Moins 1 à Sainte-Catharine. Few 1000. Vent du 190 à 4,2. Il faut qu'on remonte sur ton roto parce que bon. Là, vous avez vu là. Là, c'est la frontière. C'est la frontière. On n'a pas le droit de passer. Donc, il faut, bah, on va remonter sur, ton roto, se faire guider par le truc, et après, on partira le long du lac Ontario. Donc, sur ton roto, la météo, vent du 203 nœuds, variable 9 nautiques de visibilité, clair, moins 1. Donc c'est un petit chouï dans la brume, mais pas trop. Ici à Oshawa, 9 SM, clair, moins 3. Ici, moins 2 à Cobourg. Après, il va falloir qu'on rentre un peu dans les terres parce que Ottawa, c'est par ici. Et Ottawa, c'est vent du 184 nœuds, 15 000 terrestres de visibilité. Few 4500 moins 10 degrés. Enfin, ça caille un petit peu plus à Ottawa. Là chez nous, chez moi, il fait presque 20 degrés. J'ai eu 20 degrés là où j'étais et en revenant chez moi, il faisait 17 degrés.
On est le 25 février. Non, on est le 26 février. Je veux pas que le temps passe, c'est bizarre. Salut Calypso. Je l'ai pas compris le sous-titre J1, Canal Rideau. Normalement c'est Holiday, le spectacle, mais c'est peut-être pas une référence à ça. Il y a peut-être une référence locale à Ottawa. Attention, hein, ça serait bien qu'on se mette pas les Ottawais ou les Ottawanais. Comment on dit les habitants d'Ottawa? Les Ottawaïens? Hawaïens? Ouf, ouf, ouf. Alors on attend plan. Salut à Louis. Donc c'est bon. Niveau météo, c'est bon. On va s'occuper du plan de vol. Donc on part de Niagara, on remonte sur Toronto, mais en fait on va remonter sur un Vore. Alors le Vore, il est où? Quoique si on arrive à tenir notre cap, on est sûr de ne pas dériver. Parce que le Vore, il est là. Il y en a deux d'ailleurs, hein. Pourquoi il y en a deux? Vous allez me dire, c'est comme papa. Mais non, mauvaise réponse. Pourquoi il y a deux Vore? Vous pouvez pas en mettre qu'un, les gars. Après, il y en a un ici. Ah oui, mais c'est uniquement un DME. Oh, bah dis donc, c'est des vicieux, les gars. À Oshawa, là. Oh là! C'est pas grave, nous on va naviguer à vue. Cet arbre là, cet arbre. Ce lac là, on va le repérer, ça va être tout bon. C'est comme maman alors. C'est un endroit le canal Rideau. Ah ok. C'est marrant ça. Ottawa, j'y ai été. Bah oui, j'ai été visiter le. J'étais visiter le Parlement. C'est le Parlement, enfin c'est le truc. Il y a plein de trucs avec des toits verts. C'est super beau. C'est super beau. Ils ont fait des toits en cuivre. Mais bon, on aura l'occasion. On va peut-être se pointer sur celui-là, 113,50. Je sais pas ce que vous en pensez. Ça nous permettra de suivre la côte. De toute façon, s'il fait beau, c'est bon, hein. Par contre, là, ça sera plus juste. Donc, on a 111 nautiques dans la Pampa. Mais je pense qu'à Ottawa, il doit y avoir. Alors, on va aller à Rockcliffe, qui est un petit terrain. On va pas aller à Ottawa McDonald. On va quand même pas aller à McDonald. Je sais pas ce que vous en pensez, mais. Mais il y a un petit Vore là. Yo! Par contre, si on se prend le petit Vore, on va complètement échapper. Alors normalement on n'a pas le droit, mais on est en simulation, on fait ce qu'on veut. On va se faire. Cette route-là, elle est impeccable. Parce que c'est là qu'il y a tout le centre-ville avec justement le parliament. Et c'est une faute de frappe, hein. C'est l'IA, il faut l'enlever. C'est jamais bon les IA de toute façon. Et il faut rajouter un E. C'est pas compliqué l'anglais, hein. Lower Town, la ville. La ville basse. Oh, Centre Town, la ville du centre. Je suppose qu'il y a aussi une Upper Town. Oh, Alta Vista. Haute vue. Bon, c'est cool. Ok. Gatineau. Oh, ça nous parle déjà plus, ça. Vanier. Voilà, ça c'est des noms qui nous titillent un peu plus les papilles. Bon, donc on va aller se poser à Rockcliffe. On arrivera tranquillou là. Pouf, pouf, pouf. On se notera quand même ça dans un coin si on est perdu. On se guidera dessus. Et puis il y a du, y a du NDB dans le coin. Donc, bon, sachant que en fait, c'est les balises. Pour atterrir sur cette piste-là, cette balise-là, c'est la balise pour atterrir sur cette piste-là. On n'est pas censé les utiliser normalement, mais le Vore, ça suffira.
T'as une copine à Gatineau, Rania Templan? Ah bah ouais, on va passer au-dessus. Ok, tac. Donc, mon plan de vol, il est où? Je l'ai caché. Pouf! Alors attends, je vais pas vous montrer tous mes fichiers, hein. Ce sont pas des choses qui se font. Alors, on part de Niagara. On retourne à Toronto, mais on s'y pose pas. Ah, brin. On va quand même noter la tisse. 250 pieds, ça peut toujours servir. Pourquoi il y a une balise? Ok. Et ça, bah donc ça on le supprime. Hop. Et on va à donc Rockcliffe, c'est Y Ro. Mais bon, on va écrire Ottawa. Hop. Donc ça on l'enlève, tac 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 tac, tout ça on l'enlève, pop, tout ça on l'enlève, pop. Alors, notre première étape c'est Toronto. Enfin, je dis ça, mais on va peut-être pas forcément faire une verticale terrain, quoique si ça permettrait de pas couper les axes. Si, on va faire une verticale terrain. Ok. Après on file sur Yankee Charlie Foxtrot. Jewan, il dit non d'une pipe, mais t'es vraiment en retard. J'étais pas là. En fait, j'étais pas là ce matin. J'ai dit bonjour et autres et j'ai dû partir. Normalement, je devais pas partir pour longtemps et en fait, je suis rentré à 14h45 chez moi. Voilà, comme ça, tu sais toute l'histoire. J'avais parié sur ton retard, je peux avoir mes points de chaîne. Non mais j'hallucine avec quel culot. Je pourrais même pas t'en donner des points de chaîne, hein. J'ai pas le droit. Enfin, j'ai pas la commande, hein. Donc c'est quoi Y Yankee Charlie Fox? Oups, qu'est-ce que j'ai fait? Ctrl Z. C'est Campbell Ford. Il faudrait choisir Campbell ou Ford. Donc Y CF. Bon, on va le laisser comme ça parce que le nom est trop long. Ça émet sur 113,50. Et donc pour y aller, on va voir. Ah, bah je vais même pas noter les routes. Capot 349 sur 40 nautiques. Enfin, je suppose que c'est ça. Ouais, c'est ça. Sur 40 nautiques. Ensuite, c'est capot 071 sur 84 nautiques. Et ensuite, capot 0,64 sur 111 nautiques. 111 nautiques. Alors avec notre avion de fusée, on va faire la première étape en 22 minutes, la deuxième étape en 46 minutes et la troisième étape en 61 minutes. Et on a 2 heures de vol. Il faut pas qu'on traîne, hein. Si on veut être couché à 18h. Alors, Ottawa. Ottawa, vue d'ensemble, élévation 187 pieds. Eh ben, c'est pas bien haut, hein, 187 pieds, ça fait 60 mètres. Ils ont mis la frontière au milieu du lac. Ouais. Ouais. Et en plus, ils l'ont mis de manière tordue. T'imagines le douanier qui est là, juste au. Il a tout le temps. Imagine avant le GPS. Maintenant, avec le GPS, c'est facile. Le truc peut même lui faire bip bip bip, tu es au Canada. Bip bip bip, tu es aux USA. Bip bip bip, tu es au Canada. Bip bip bip. Mais avant, il était là, il arrêtait les gars, il avait pas le droit, il s'en moquait puisqu'il était de l'armée américaine. En plus, tu sais que dans X-Plane, ils ont mis un porte-avions dans le truc. Il y a un porte-avions là. Juste là. Et on plaisante pas, hein.
y a des F-14 qui peuvent décoller. Il n'y a plus de F-14 maintenant qui volent, au fait. Toronto, on n'est pas loin des chutes du Niagara. On est aux chutes de Niagara, petit Luc. On a fait ça à la dernière étape. Malheureusement, dans X-Plane, ils ne sont pas modélisés, donc... Bah là, il y a de la, il y a une bonne visibilité. On devrait voir l'endroit, mais... c'est pas super, super bien modélisé. Alors, est-ce que j'ai tout noté? Ah, les pistes. Les pistes à Rockcliffe, c'est une 0927. Et on va noter les QFU de la 09, c'est 0,92. Et donc c'est 272. Hop. Est-ce que j'ai besoin de noter autre chose sur ton auto? Il n'y a pas d'Atis. Mais par contre, il y a un Atis à McDonald's. Atis McDo. Oh, on fait pas de placement de produit. 121 150. Et puis ce qu'on va noter, c'est en cas de secours, si on en a besoin, le Yankee Oscar Whiskey sur, qui émet sur 114 60. Yankee Oscar Whiskey sur 114 60. Je pense qu'on a toutes les billes, hein, pour partir. Si on a besoin d'autre chose, bah on regardera la carte. Hein. On regardera la carte. Salut Yaedia. On a bien vu les arbres en boost piste. Ouais. Je peux ouvrir les fenêtres? Oui, bien sûr. Bien sûr que je peux ouvrir les fenêtres. Porte de petit hop. Il fait quelle température? Hop, voilà. Je sais plus quelle température il fait à Niagara. On est où là? Oh bon, on est juste sur la piste. Ah non, c'est la route ça. Pensez à ne pas tourner à gauche. Non, elle est où la piste? Ah, il y a une piste en herbe. Ah oui, puis il y a une petite piste en dur là. Ok, ok, ok. Oui, j'avais commencé à prendre la piste en herbe et puis... Ouais, parce que j'étais... je pensais être très très court pétrole le dernier coup. Donc... oh! Je pensais être très très court pétrole, donc... Ok, Dak, on a tout fait, la météo, on a fait le plan de vol, bah, on va préparer l'avion. Alors si je tape n'importe où, ça va pas le faire. Maintenant ce report. Alors, on a 10 heures de vol. Pop, 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 pop. L'huile, il faudra la changer dans 45 heures. Elle est clean. C'est-à-dire, elle est propre. Tout est ok. Ok, 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 ok. Faut que j'en remette? Refile? Non. Non. Alors, il faut que... Le truc est trop grand parce que ma définition d'écran est pas très bonne. Et petite. Donc il faut que je sorte le truc pour pouvoir le lire. Pop 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 pop. Mixture pop pop. Le fan, il n'y a pas besoin, il fait 11 degrés Celsius. 11 degrés Celsius? Ah non, c'est le CHT. C'est la température dans les cylindres. La batterie, c'est bon, tout est ok, tout est ok, ok, ok. Et là, le dernier coup, il y a les sous que j'ai gagnés. Oh, j'ai gagné plein de sous, dis donc. Ah ouais, j'ai gagné 3008 plus 1400. Eh ben, je vais pouvoir acheter de l'essence. Bon, nickel.
Donc, fuel management. Ah ouais, il reste quasiment rien. Ouais, fuel tanks. 1155 dollars. Ok, c'est bon. Par contre, on va se mettre en kilos. On va mettre un pilote. Hop, hop. On se met à 6 et on embarque quelques cacahuètes. 68 kilos de cacahuètes et quelques carottes. Par contre, on peut diminuer la paille. Je fais pas 84 kilos, hein. Allez, 60, même pas. Bon, quoique là, je viens de manger un petit gâteau avec plein de crème. Allez, on met 72 kilos. Mais je dois même pas les faire, hein. Donc ma passagère, on va la mettre à 60. Je vole avec qui aujourd'hui? Parsi, 62 kilos. Et quant à Sean, Sean, tout nu, il fait combien? Tout nu. Tout sec. Tout sec, tu fais combien, Sean? De toute façon, la truc de mouton, ça pèse de rien. La laine. On va le mettre à. On va le mettre à. 30 kilos, ouais. Hey, Sean, 30 kilos? Hein? C'est bon. Ah, tu vas déséquilibrer. On va te mettre à 42 kilos parce que sinon tu vas trop déséquilibrer l'avion. Heureusement qu'on est au Canada, tu devrais multiplier par deux au moins en France. Normalement, je crois que j'ai les prix. Je peux demander les prix. C'est bon en fait? Ouais. Je crois que je peux demander les prix. Non, c'est pas là. C'est dans le maintenance report. Je crois que j'ai quelque part la possibilité de demander le prix. Voilà, j'ai 56 000 dollars. Ouais. Oh, c'est où? Attends, fuel, pression. Ah, froid, je regarde. Mais il y a quelque part, on peut demander les prix selon les endroits où on se trouve. Mais là, je suppose que il doit interroger l'endroit où je suis. Et puis, alors, en espérant qu'au tout petit terrain de Niagara, il y a les prix de, on a accès au prix du pétrole, quoi. Sinon, quick, hein. C'est toujours le bon nombre, ouais. J1, il veut manger Sean. Bon, altimètre, on est censé être à combien? On est censé être à 576 pieds. Ouais, à peu près. On va dire que c'est bon. Il faudrait qu'on fasse le tour de Walkaround. Parking break 7. Tous les boutons vers le bas. Ouais. Next. C'est tout vers le bas. Next. Master switch. Les fuel level sont ok. Du coup, je coupe. Ah oui, donc, oil quantity. Qu'est-ce qu'il faut en remettre alors? Ça serait dommage de péter le moteur. Faut que je passe sur le. Je l'ai vu que c'était dans le maintenance report. Donc faut que je le sorte. Hop. On
refile. Oh, 200. 5 minutes. Il demande 5 minutes pour le faire, le gars. 206 $. Vache. Donc ça marche. Incode, ça veut dire quoi? Refile. 200 $ d'huile. Accept normal price. Yes, I accept. Pourquoi deux fois? Ah, c'est pour le quick fix. C'est pour le faire tout de suite, pour pas attendre les 5 minutes. Le temps qu'on fasse le tour de trucs, c'est bon, hein, on va accepter le prix normal. Gling, gling. Et bah, ça sera bon. Et paf, 206 $ de partie encore. Ah, vache. On plaisante pas là. Allez, on fait la suite. Les flaps. Les volets. Ah. On les descend. Hop. Pop, hop. L'essence dans les trois réservoirs. Elle n'est pas contaminée. C'est une bonne chose. Hop. Le pneu, il est en bon état. Il faut dire que je fais des super beaux atterrissages. Hein. Pas de problème sur le moteur et l'hélice. L'autre pneu, nickel, il est vert. Hop, tout est détaché. Les piou-piou, ils sont bons. Ça, c'est ok. L'essence, elle est ok. L'aileron, hop, ça bouge nickel. Hop, hop. Le pneu, il est ok. Hop, c'est bon. C'est bon. Le pneu, ok. Hop. Il n'y a pas le cache-pito, c'est impeccable. Et hop, c'est bon, c'est fini. Il y a deux avions sur la piste, il lui faut 5 minutes pour faire. Après, refaire de replein d'huile. Bon, là c'est facile, c'est. Bon, sur un Cessna par exemple, c'est facile aussi, il y a le capot qui s'ouvre. Tu ouvres le capot, t'as le bouchon, pop pop. Le plus long c'est d'aller chercher le. Le plus long c'est d'aller chercher le l'huile. 100 LL avgas, c'est l'essence. 100 LL c'est le. C'est pour dire que c'est de la bonne. Hop. Alors, on en est où? Il y a des planeurs dans le jeu? Oui, oui, Renat en plan. Dans X-Plane, il y a des planeurs. Salut Hotbug. Checklist. Front parking, serré. Contrôle de vol. On va les revérifier, mais ils sont. Hop. Hop, hop. Hop, hop. Hop, hop. On va relever les volets. Hop. Batterie on. Qu'est-ce qu'il faut mettre aussi? Celui-là, turn bank. Et puis beacon. Hop. Le fuel, c'est ok, on l'avait vérifié tout à l'heure. L'altimètre, il est réglé, l'avionique, elle est coupée. Oui, c'est ok, l'air est dégagé. C'est nickel. La Z10, on touche pas la poignée. La mixture, on met plein riche. On met un peu de gaz. Réchauffe carbu froid, on pompe. Avant, faut sélectionner un réservoir central. On pompe, hop, 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 pour monter la pression. Choc, 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 choc. C'est bon, là, on a de la pression. On regarde le primeur, on va faire 4. 1, 2, 3. 4, il fait moins 5 quand même. Allez, on en fait un petit cinquième. Hop. Magnéto, 1 plus 2. Tac, tac.
Alors on entend bien parce que... Ce ratatouille. Ah, j'ai pas tourné le... Normalement le clapet doit fermer hein. On a la pression. Hop, altimètre, alternateur. Voilà, on est au calme. On l'entend plus qu'il cafouille. Bon, il a mis le tour, il faut qu'il chauffe. Hein. Quand il va être chaud, ça va être bon. Normalement, on a le... On voit qu'il est bon. Non, non, il est bon. Hein. Il est correct. Hein. Il n'y a pas de problème. Il tourne. On le laisse pas monter à plus de 1000 tours, sinon il va râler l'autre. Donc, ça c'est bon. On vérifie tous les paramètres. La température monte. La température en tête de cylindre, elle monte aussi. C'est impeccable. On fait pas les essais moteurs, hein, on est en simulation, on s'embête pas. On va regarder le vent. Est-ce qu'il y a une manche à air sur le terrain? Et on va se méfier là de ce clac-clac là. Il n'y a pas de manche à air, hein. J'avais été surpris aussi le dernier coup. Bon, on va regarder autrement. On va regarder sur Little Nav Map, en espérant qu'ils nous disent pas de bêtises. Alors, sur Niagara Falls, météo. Aucun vent. Bon, ben on décolle d'où on veut. Lui râle Mohican. Ça fait quoi le mélange? Le mélange c'est la mixture, donc c'est le mélange d'essence. En fait, c'est toi qui, dans un avion, comme tu montes, comme tu voles au ras du sol et très haut, c'est à toi de gérer le mélange air-essence. Donc c'est grâce à la mixture, donc au mélange, c'est le bouton ici. Là par exemple, je suis en plein riche, c'est-à-dire que je mets un maximum d'essence dans le moteur. Même si je crabe pas tout, mais je m'en moque parce que je veux la puissance max. Après, plus je vais monter, moins il va y avoir d'air. Donc plus je suis censé descendre le niveau d'essence que je mets dans le moteur. Sinon je suis pas efficace et je gaspille. Est-ce qu'on est chaud? Ouais, on est chaud, on peut y aller. Donc on choisit notre piste. On va prendre laquelle la plus cool. Bah moi je décollerai bien de la 32. Je décollerai bien de la 32 parce que ça veut dire on prend le cap 349 et on est dans la bonne direction. Voilà. Bah pourquoi je choisirais bien la 32. Donc la 32 c'est pas compliqué, c'est celle qui est là-bas. Donc faut que j'aille là, 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 là. Il y a plusieurs carburateurs, ça dépend des avions ça.
Mais là, je pense qu'il n'y en a qu'un seul. Taxi pas large hein. Alors c'est sur la 32 puisqu'il n'y a pas de 42. Et tu sais pourquoi il n'y a pas de 42, dame dodo? Oh, maintenant toi tu le sais. C'est carrément du gravier. La chance. Ah, le gravier, c'est... Puis l'avantage du gravier, c'est que le gars qui est derrière, il en profite aussi, quoi. Ça qui est bien, quoi. Parce que ça s'arrête à zéro, non? En fait, ça va jusqu'à 36. C'est ça la réponse. Mélodie, je sais pas si je t'ai dit bonjour. Je me souviens plus. Salut Mélodie. Oya, je t'ai dit bonjour. J'étais peut-être pris dans mes tours de trucs. Ah ouais, la piste est là, hein, au fait. Ah ouais, mais c'est pas grave. Faut se méfier parce que cet aéroport est sur deux tuiles différentes et on change de parallèle ou de... péremptoire. Et on va peut-être pas aller plus loin que là parce que là j'ai l'impression qu'il y a un truc là, non? Si on recale, j'ai calé le gyro. Si on regarde la piste 32, bon, je suis pas super bien aligné, mais elle est au cap 320 quelque chose. En fait, si je regarde les pistes, la piste 32, elle est carrément. Ah ouais, bon, c'est un mauvais exemple. Non mais. Comme il y a le déplacement du pôle magnétique, bon, c'est un mauvais exemple. Prenons la, prenons la 17. Bon, ok, c'est un mauvais exemple aussi.
Mais non, mais qu'est-ce que c'est que cet aéroport là? Normalement, pour nommer la piste, on prend le cap, l'axe de la piste, hein, ça fait un cap. On divise par 10 et ça donne le code de la piste. Donc là, normalement, on est aligné au 331. La piste, ça devrait être la piste 33. Mais seulement avant, elle s'appelait la 32 parce qu'avant, il était aligné au 329, puis avant au 327 et tout ça. Un jour, ils vont la changer, un de ces quatre, ils vont dire on change toutes les numérotations des pistes de cet aérodrome. Ici, ça sera la 33, l'autre, ça sera la 15, la 17, elle s'appellera 19, etc., etc. Mais pour ça, il faut faire des papiers officiels, il faut envoyer de la documentation à tout le monde, ça coûte des sous. Donc, ils ne font pas forcément super vite. Alors qu'ils ont le temps, parce que le pôle magnétique, il bouge pas super lent, il bouge lentement, quoi, mais bon, il bouge quand même. Donc là, c'est le mauvais exemple. Mais normalement, c'est ça la règle. Voilà. C'est pour ça que les pistes, elles, de toute façon, elles changent régulièrement de nom, enfin régulièrement, dès que le pôle magnétique, il a changé suffisamment pour plus être dans les bons degrés, quoi. Voilà le fin mot de l'histoire. je suis pas parti dans le bon truc. Ouais, voilà, ça va être mieux. Un jour, ça sera en radian. Le radian, c'est compliqué, hein. Allô, je suis au cap pi sur 2. Allô, pi sur 2. Non, mais c'est pas possible en radian. Rien à temps plan. Qu'est-ce qu'il a encore fait, Jay? T'as oublié de mettre des oiseaux? Ah, tu voulais mettre des oiseaux? Oui. Donc une piste dans un sens ou dans l'autre, il y a 18 d'écart. Oui, puisqu'il y a 180 degrés dans un sens et dans l'autre. Le sens inverse, c'est 180 degrés. Plus ou moins 180 degrés, donc la 32 moins 18 ça fait 14. 14 plus 18 ça fait 32. Tu auras toujours une piste, c'est c'est un bout de machin, mais dans les deux sens. Enfin, dans un seul sens. Dans l'autre sens, c'est une autre piste. Bon, ben on est prêt à décoller. On va faire un top. Il est quelle heure? Quelle heure est-il? Allô, Houston? Il est 15h13 Zoulou. Eh ben, on n'est pas rendu, hein. Heureusement qu'on ne fait pas d'escale, hein. Mais comme on vole pas très très vite avec notre Tagazu, tant qu'on dise ouf, on va pas trop traîner après avoir pris le top. Tant qu'on va dire ouf, on va peut-être écrire 15h14 tout de suite, non? Je sais pas. Je sais pas ce que vous en pensez. On a recalé le giron, on a baissé les volets. Hop. On a rien allumé. On n'a pas allumé la réchauffe pitot. Elle va geler. Allez, on met les feux d'atterrissage, les strobes, les feux de navigation. Pichez toutes. Merci, J1. 15h13, on est presque à l'heure. Ouais, mais c'est Zoulou. Je t'ai dit que je réécrirais le script. C'est Zoulou, Bandi. C'est l'heure Zoulou. Donc l'heure Zoulou, c'est moins une heure. En France, en Belgique, l'heure de Paris, comme on l'appelle le fuseau, c'est moins une heure par rapport au Zoulou. Le Zoulou, c'est GMT. Mais ça va plus vite de dire Zoulou que GMT. Et surtout, Zoulou, ça se dit de manière internationale quand on parle à la radio. Zoulou, 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 Zoulou. Dès qu'on dit pas Z à la radio dans un avion, on dit Zoulou. Donc, vous pouvez m'appeler Zoulou maintenant. On a décollé, demande Pierre? Non. Salut. Salut Pierre. Et toi-même, presque sexagénaire, là. Petit voyou, va. Non, on décolle. Par contre, on a bouffé notre top. Il faut qu'on reprenne un autre top. Et voilà. C'est de la faute à Rana Templan. Il pose des questions intéressantes, certes. Et du coup, il est 15h15. Zoulou, c'est pour ça que je rajoute un petit Z. Parce que si j'avais mis heure locale, j'aurais mis 16h15, comme ça. Mais comme je mets l'heure GMT, je mets un petit Z derrière pour dire que c'est Zoulou. Comme ça, tout le monde est content. Bon, ben on décolle, et puis, donc, briefing départ, vite fait. On décolle, on prend le cap 350. Et puis, on tirera un petit peu plus vers le nord pour essayer de revoir le Niagara, mais on voit rien. Je vous préviens tout de suite, on ne voit rien dans X-Plane, ce n'est pas modélisé. Allez, c'est parti!
la fenêtre. Allez, on décolle. La montée, hein. Bon, on est chargé quand même. Niagara, c'est par là. Là, le lac, enfin, la Niagara River, parce que le lac, l'autre lac, il est assez loin. Pour les touristes et tout ça. Là, ça fait miséreux. Hein. Alors, attention, hein, si on passe par là, on est aux États-Unis. C'est honteux. Allez, on reprend notre cap.
Lyon, il est mine de rien, est bien cabré. Hein. Je vais mettre quand même 33 pouces dans la tronche. Le taux de montée, c'est quoi? Un 33,5 remarque. 33,5 à 2200 REPM. Bon, là au niveau REPM, je suis pas forcément. Tiens, là 2200. Voilà, 2200. Paf. Il va monter mieux. Ah ouais, il est un peu plus efficace. C'est au 350 qu'on veut voler, nous. Hein. Côté, il vaut mieux que je sois au 340 qu'au 350, puisque plus je suis à droite, plus je risque de franchir la frontière des États-Unis. Ce qui serait pas une bonne chose. Hein. Mandy me demande si. Qu'est-ce que je pense des projets de voitures volantes qu'on voit sur internet? J'en ai pas vu. T'en vois beaucoup. Des voitures volantes? C'est de la science-fiction! Que l'aérodynamique est proche d'une boîte à chaussures. Bah après, il a un gros nez, il y a des trucs qui tournent, il y a des trucs qui traînent en dessous. Hein. Bon, pour grimper, j'aurais pu lui mettre un cran de volet, hein, comme ce qui est préconisé dans le manuel. On va voler à combien? Il y a des petits nuages là-bas, on va se méfier. Donc, la grosse rivière qui alimente le lac Ontario, voilà le lac Ontario. Voilà. Ontario. C'est le, ça aurait pu être un OSS, un titre de OSS 117. Hein. À quoi des voitures volantes, je crois, à se déplacer en volant, c'est des avions en fait, hein. Les voitures volantes, c'est des avions. Bon, on va se stabiliser à 3000 pieds. Et on voit déjà de l'autre côté, on va voir Ontario. On a une bonne visibilité, on voit Ontario, tiens. Alors, un terrain. Oh, cool. Alors, c'est le terrain de... le Niagara District. Ouais, puisqu'on est, on est passé à droite pour voir le truc, donc on doit se balader ici. Ouais, c'est ça, il y a trois pistes en... une grande piste et deux petites pistes en triangle. Ah, c'est ça, une grande piste et deux petites pistes en triangle. Donc c'est Niagara District. Charlie Yankee Sierra Novembre. Donc déjà, ça confirme que on est bien entre ce terrain-là et la rivière-là. La rivière, c'est la frontière américaine. Là, on est ici. On doit passer au-dessus de Virgil. Probablement. Et donc, la frontière, elle est là. Au Niagara on the lake. Oh, oh. Virgil. Voilà,
Virgile. Allez, capot 350, on a dit qu'on arrêtait de monter, évidemment il en fait qu'à sa tête. On va redescendre légèrement à 3000 pieds, c'est ce qu'on avait dit. On voit déjà la côte, alors on peut pas dire la côte canadienne parce que ici c'est le Canada aussi. Hein. La côte de Toronto, donc la côte torontienne, voilà, c'est la côte torontienne là-bas, capot 350. Est-ce qu'on va revoir le porte-avions qu'on a vu le dernier coup? Telle est la question. Le castor. Bon, du fait comme il fait beau, on va couper les feux. Land. Le reste, on le laisse. Hop. Je vais peut-être descendre un peu le... On va mettre à 2000. Voilà. 2000 et on va mettre... On va laisser 28 pouces. 2028 pouces, ça me paraît... C'est un peu élevé... ouais, c'est... On veut de la puissance, quoi. Oula, hop hop hop. Eh ben, on voit Toronto, là-bas. On voit les bâtiments de Toronto. Est-ce que tu vois Toronto? Oui, on voit l'aiguille. Eh ben, on va droit sur l'aiguille, hein, mon pépère. T'as ton cap, hein. Il est là-bas. Hop hop hop. Ça doit être un avion déjà assez coûteux hein, par rapport à un Cessna qui, bon, qui a des moins bonnes qualités d'atterrissage et décollage courant, mais qui est rustique. Je compare dans le sens rustique, on voit beaucoup de Cessna aussi un peu utilisés arpent en brousse, mais quoique si, moi j'ai vu des reportages avec un gars qui se baladait partout avec un Cessna en Afrique là. Oh vache, le truc il prenait hein. Sur les atterrissages sur des pistes sommaires, pop 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 pop. Allez, on veut descendre. Après, on peut rester à 3500 pieds, mais c'est bien quand on décide un truc que ça soit pas l'avion qui décide à ta place quoi. C'est un peu comme je sais pas moi. Ta compagne et que t'as décidé un truc hein. C'est bien de s'y tenir quoi, c'est pas elle qui décide quoi. Alors ma chérie, j'ai décidé d'un truc avec moi tout seul. Comment ça va pas être possible? Ah bon? Des bons tracteurs, c'est des bons tracteurs, des bons avions les Cessna. Mais bon, ça, le Beaver, c'est un peu pareil, hein. Cap est bon, l'altitude on est à 4000. Si t'as décidé de monter à 4000, monte à 4000. Qu'est-ce que tu veux que je te dise moi?
que rien que dans le prix du moulin du castor, il y a le prix d'un Cessna. Ouais, c'est pas impossible. En plus, l'entretien d'un moteur à étoile, tu dois peut-être pas. Enfin, je sais pas si c'est le. C'est, enfin, c'est autre chose qu'un Continental. Alors, faut jamais glander en avion. Si on glande, c'est qu'on est en train de louper un truc. Ce qu'on n'a pas calculé, c'est notre heure estimée d'arrivée à Toronto. 15 plus 22, donc ça fait 15h37 Zulu. Il est 32, donc on est censé arriver dans 5 minutes. Bon, on a perdu du temps à la montée. Hein, minutes, après ça se fait. Hein, on est juste là. Hein. Pop, pop, pop. Ouais, mais il y a parce qu'il y a deux moulins en étoile sur le DC-3. Ah, sur un DC-3 normal. Je sais qu'ils ont essayé de faire des versions turbo. Pour renouveler le truc. Alors, qu'est-ce qui va se passer à. Qu'est-ce qui va se passer à Toronto? Eh ben, on va faire une verticale terrain, puis virer au 071. Donc, on va suivre doucettement toute la côte. C'est le DME de Yosha. On va suivre doucettement toute la côte jusqu'à Oshawa et puis là on rentrera. Je crois qu'on a perdu. Voilà. Bon, là, on a un super point de repère avec la flèche. Par contre, faut que tu arrêtes de monter. Moi je t'ai dit d'arrêter de monter, donc tu arrêtes de monter. Nous allons le détrimer. Ah ouais, bah, je trime. Le trim il est quasiment bloqué là-haut. Ouais. Petit voyou. Ouais. Hop. C'est bien aussi hein. Depuis qu'on a vu le camp on a pas mal de ces trucs là assez loin. Plutôt que de nous générer un espèce de brouillard, il nous génère ces lignes là et c'est. Je trouve pas ça génial moi. Mais bon, vu le camp permet d'avoir plus de FPS que OpenGL, donc voilà. On est en train de se traverser doucement, mine de rien, le lac Ontario. Alors le terrain. Il y a le. Ce truc. Ce petit îlot. Devant la. Donc il faudrait qu'on soit. Ah bah là on a la balise 257. Mais je pense qu'il faudrait déjà qu'on soit plus par là. Pour faire une verticale terrain. On peut. Ah oui, on voulait faire ça aussi. On va passer en frontal pour vider les tip-top. Les boudelles. Et on va se mettre là. Ah, j'ai pas. Pas grave. On va mettre le 257. Pourquoi il est de l'autre côté, chef?
Alors attends, faut peut-être brancher signer sur ADF. Oulolo. Par contre, faut peut-être lui mettre ADF. Voilà. Faut suivre la ligne jaune. Hop. Ah ben, elle est là. La ligne jaune, elle est là. Je pense que la piste doit être par ici. Ouais, on est droit devant. En fait, TZ-257, c'est le Gibraltar Point Licked Ouse. Gibraltar. Et le terrain est juste derrière. Hop. On était censé faire 35, il est 37. Oh, oh, voilà le reste de la ville. Voilà, le terrain est là. Donc je pense que le TZ est ici. Du coup, on est en train de descendre. La planète. Vulcan, c'est pas une planète. C'est pas un dieu. Salut à Basse la brique. Hop, hop. Bon ben voilà la côte torontienne, parce qu'on peut pas dire la côte canadienne, hein. De l'autre côté c'était aussi le Canada. J'ai pas fait gaffe, mais on n'a pas revu le porte-avions. Ah c'était Vulcain. Non. Non. C'est Vulcan. Après en anglais c'est peut-être... Dernière bataille navale, t'as coulé le porte-avions. Méchant G1. Alors, des fois, en fait, c'est X-Plane. Quand il considère une mer, il met un porte-avions. Il y a un porte-avions, un porte-hélicoptère ou une plateforme. Et on peut se poser dessus en hélicoptère, par exemple. Puisque les hélicoptères sont gérés dans X-Plane. Eux. Et la balise elle est plus à gauche. Hop 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 hop. On la voit plus. Ah bah oui elle est là. C'est que là nous on ne voit plus trop la verticale terrain. Bon, ce qu'on a comme point de repère, oula, je clique sur n'importe quoi, c'est ce canal ici. Il faut qu'on passe à gauche, on le voit ici. Hop, on va virer. De toute façon on est si on regarde là. Au niveau altitude on est bien au dessus de l'aiguille et tout ça ce coup-ci. Le dernier coup on avait vu tout ça dans la brume, il neigeait, on avait joué le joker. Ça me fait penser que il faudrait quand même que je remette mes jokers moi. C'est pas parce qu'on les utilise pas que... Bon voilà l'aiguille. Oh oh, bonjour petite aiguille. Et puis on prend le cap, voilà, de la mer, on va recaler le gyro, on prend le cap 071, bah c'est nickel. C'est quoi ça?
qui fume. Et on apprend au top 42. Donc on est passé à 15h42 Zulu. Donc 5 minutes. Prochain passage dans 46. Donc 46 plus 42, ça fait 88. Moins 60, ça fait 28. Donc 16h28 Zulu. On sera sur Yankee Charlie Fox. Le VOR qui émet sur 113.50. On va se mettre le 113.50. 113.50. Tac. On le capte. Et c'est 0.71. Hop. Hop. On est dessus. On bouge plus. Oh les mains. La détresse en maillot de bain. Bon, j'ai fini mon café. Alors aujourd'hui, pas de goûter. Parce que quand tu manges à 15h. Tu goûtes pas à 16h, hein, ni à 17h, donc j'irai manger un petit bout de chocolat après le live. On sait quoi ce truc. Ah, hé, quand je vous parlais des frégates porte-hélicoptères, je ne vous mentais point, hein, voilà. Ça dit pas que des bêtises, hein. Signaux de fumée, il y a des Indiens qui veulent dire quelque chose. Ce truc là, mais c'est pas super bien géré, hein. Au niveau du VOR, on est bon. Au niveau essence, on est donc sur le, on a bien mangé le central, on est en train de pomper le frontal, mais on est en train de, pas le réservoir puisqu'on est en train de manger les, ce qui est en bout d'aile vu qu'on a, on a actionné ça, donc ça roule, tout roule. On est à 4000 pieds. Stabilisé 71. Salut Madoum. Ouais, l'avion est formidable, mais il est très mal calibré en termes de son entre l'intérieur et l'extérieur. Et c'est pour ça que je reste le moins possible en extérieur. Après, c'est triche. De toute façon, je crois que Jewan a dit que c'était de la triche. Non, c'est pas chez lui ou ah, je ne sais plus lequel de. Des deux a dit ouais, c'est de la triche de se mettre en extérieur. Après, tous ceux qui sont en FS 2020, ils sont toujours en extérieur. Alors, hein. Alors, c'est quoi ce truc là? Est-ce que ça serait Oshawa? Quelque part, quand on revient sur la côte, on est à Oshawa. On devrait d'ailleurs voir le terrain. Il y a d'ailleurs une balise qui émet sur 391. Si on veut être sûr, quand on sera plein travers d'Oshawa, on serait que sur le 391. Pour l'instant, c'est droit devant.
m'étonne un petit peu, mais bon. On va se remettre au 0,71. Est-ce que ça serait Ajax? Alors, il y a un... Il y a une petite... Je suis au 0,70. Il y a la ligne de chemin de fer qui passe là, elle passe derrière, et là il y a une petite rivière. 0,71 Bob, s'il te plaît. Hop, hop. Oh, il y en a d'autres. Rivière. Ligne de chemin de fer, truc. Qu'est-ce que c'est que ce truc là? Ah, c'est une centrale thermique! Ah, ah, quelle horreur! C'est une centrale thermique. Oh, avec des combustibles fossiles. Ouais, ben bah voilà pourquoi ça fume bien noir. Bien noir, bien noir. Hein. Bah, y a Peach. Il te reste 12 minutes. Si regarde le live, attention hein. Des bisous, bon week-end. Ah, c'est le truc pas très 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 bien animé quoi. Je pense qu'il faudrait mieux éviter plutôt que... Ça fait un peu particule dans Minecraft. Quoi, particule dans Minecraft, ça, c'est presque même mieux. En fait, elle reste pas là, elle reste stockée. C'est assez bizarre. Mais du coup, on sait où on est. Bon point de repère. Peut-être qu'on a des photos du coin avec, avec Google View. Et tu le vois, un gros panache noir. Alors, le cap, il est pas bon. Lui, il commence légèrement à dévier sur la gauche. Et on fait gaffe à notre altitude, on veut pas dépasser 4000 pieds, et on voudrait voler à 4000 pieds. Voilà, 0,70, on est bon, on rétablit. Et on est en légère descente. Hop. Allez, on descend, 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 descend. On est travers la centrale là. Donc si on veut se positionner, on dit hop, qu'on est là. Du coup après il y en a d'autres. Hein. J'ai pas l'impression que... Je dis peut-être des bêtises, mais j'ai vu des reportages sur le Canada et leur manière de faire. Les lobbies des industriels qui ont des politiques non écologiques, ils m'ont l'air d'être puissants. Comment on va dire ça pour bien enrober le truc, tu vois? C'est un peu comme le médicament que tu veux donner au chien qui n'en veut pas, tu l'enrobes bien de fromage là pour ça passe tout seul. Donc là c'est dire donc les lobbies des industriels qui en ont rien à fiche de l'écologie ont l'air très puissants au Canada. Bon, ils sont puissants partout hein, de toute façon. Il n'y a pas qu'au Canada, hein. Même en France, je veux absolument pas donner de France. Surtout vis-à-vis des lobbies actuellement. On va pas faire de politique, mais je voudrais pas donner de leçons aux autres pays non plus, puisque on est très très mal placés, nous autres les Français, pour dire « Ouais, envoyez les balader les lobbies !» Ceux qui dirigent, en fait. Mais c'est tout ça est une autre histoire, et on est là pour s'amuser. Changer les idées, penser à autre chose que le confinement du week-end qui va arriver à bientôt. Hein. Et j'ai cru que mon département, j'ai vu les chiffres, ils étaient pas bons du tout.
Et je me suis dit, ah vache, on va prendre. Eh ben non, j'ai vu la liste des 20 départements en surveillance, je suis pas dedans. Par contre, il y a l'Oise, la Somme, Île-de-France. Pop, 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 pop. Confiné le week-end prochain, les gars. Non, mais vaut mieux en rigoler. Hein. Surtout quand t'es pas dans la zone B. Allez, zone B, les derniers en vacances, tous confinés le week-end. Paf. Voilà, puni. Dans quel département? Un bon département, du coup. Un pas dans les 20 départements en surveillance. En plus des Alpes-Maritimes, quoi. Après, nous, on avait des chiffres qui étaient pas bons, mais c'est facile, on n'a pas d'hôpital. On en avait un à côté, ils l'ont à moitié fermé. On a quasiment pas de l'IDREA dans notre département, alors... Mais bon, apparemment, c'est pas ces chiffres-là qui sortent, c'est des chiffres de nombre de cas positifs sur... des chiffres qui veulent rien... Enfin, que tu peux manipuler hyper facilement. Donc, j'ai pas l'impression... J'ai énormément... Je suis pas complotiste. Non, non. J'ai énormément de mal à faire confiance maintenant... D'ailleurs, j'ai énormément de mal à faire confiance à mon avion aussi. Parce que ce petit saligo, il veut pas du tout tenir l'altitude. Pourtant, je lui ai demandé gentiment. Bon, nous avons donc le NTB d'Oshawa qu'on va bientôt avoir plein travers. On arrive sur la côte. Je crois que tous ces trucs de chemin de fer là, ça correspond pile poil à ces trucs là, et le terrain est là-bas, donc on a le NDB en plein travers. On peut considérer, on peut toper et dire, on est ici. On est ici et pas là-bas. Le problème d'altitude, alors Pierre dit, le problème d'altitude... C'est un problème d'altitude entre le volant et le siège de l'avion. J'ai enlevé le volant, et je peux le remettre. Le volant, le siège. Moi, je vois pas de problème. Non, mais en plus, regardez, il fait n'importe quoi. On voulait lui mettre 28 pouces. 28 pouces. Tu vas voir qu'il va descendre tout de suite d'un coup là. Eh ben voilà, regarde, il est parti là. Tac-tac, 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 tac-tac. Allez. Attention, nous sommes en descente à 100 pieds minute. Accrochez-vous, accrochez vos ceintures. Il est maintenant interdit d'aller faire pipi après 18h. Ça n'a pas duré longtemps la descente, hein. Il est déjà revenu quasiment à zéro. Ouais. Enfin... Ouais, non, il va osciller. Voilà, il oscille. Il sait pas vraiment où il veut aller. Allez, je descends un peu, je remonte, je descends, je remonte. Bon, capot 071. Tantantant. Est-ce qu'on a de la montagne? J'ai même pas regardé ça. C'est lamentable. Alors, notre radial est légèrement sur notre gauche. Pop, 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 pop. Et évidemment, on est en train de repartir vers le lac. Disons, il y a du... Je vais bien me recaler ou aller un petit 0,65 pour la récupérer.
on est là. Ah bah oui, là on était sur le plat, maintenant on attaque sol 700, 800, pop, 1000. Bon, c'est du 1000 pieds, donc en étant à 4000 pieds, on est bien. Ouais, altitude de sécurité 2500, donc en volant à 4000 pieds, on est bien. On n'aura pas de problème. Voilà, ça c'est fait. Vérifier qu'il n'y avait pas de montagne sur notre parcours, fait. Check. Donc là on essaye de récupérer notre radial, on va faire un bilan d'essence. Nous sommes sur l'avant, oh c'est bon, on est toujours en train de taper les... Ah non, on avait un 35 gallons sur le frontal. Ah non, on est déjà en train de... On a déjà vidé les réservoirs de... Les réservoirs d'ailes. Bon, c'est une bonne chose. On avait dit qu'on arrivait à quelle heure? Ah, Yankee Charlie Fox trotte à 28. Bon, ça va, encore une demi-heure. Oh là 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 là, on a le temps d'aller boire un coup. Viens à la maison. Non, on va pas l'enchanter parce que sinon, mais... on va prendre toute la pollution du truc qui fume. Ah yes! Ah! Oshawa, c'est le bout d'Oshawa. 0,65, la radiale est toujours à gauche. Donc on continue au 0,65. Tout simplement on descend. On se remettra en palier à 4000. Attention, on est à 0,60. On va laisser trop partir quand même. On fait ça en douceur. On a dit qu'on gérait ça en douceur. Voilà, c'est bien ça. Ouais, c'est bien. Alors, Jewett nous envoie... Baby, c'est une question. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié ma question du début de stream. On en est où du build de la salle de bain? Je fais l'air étonné. Quelle salle de bain? Ah, c'est peut-être pas des centrales charbon. Mais si, ils ont pas des mines de charbon au Canada. Vous croyez que c'est des centrales bois? Après j'aurai des réponses, je pense, dans les ceux qui regardent les lives en différé. Parce que là, le problème, c'est qu'au Canada, c'est le matin. Il est 11h, ouais. Ils sont levés. D'ailleurs, question. Question qu'on peut se poser. Là, on va à Ottawa. La prochaine étape, ça sera Ottawa, Montréal, Québec. Est-ce que je la fais à 15h? Donc, s'il y a des Canadiens qui regardent la rediff sur YouTube et que ça intéresserait, qui disent ah ouais, on aimerait bien que tu l'ailles le soir pour qu'on puisse le regarder l'après-midi, par exemple.
si le vendredi après-midi, vous n'êtes pas en cours au boulot comme le matin, quoi, en fait. C'est quoi les pointillés qui bougent la limite avec le Québec? Non, c'est l'horizon très lointain qui est en fait assez mal géré par la nouvelle version de gestion graphique qu'ils ont utilisée, donc Vulkan, en remplacement d'OpenGL. C'est un petit peu technique, hein. Avant, ils utilisaient OpenGL, ils ont décidé d'utiliser une autre technologie d'affichage, de gestion du graphisme, qui permet d'avoir plus de FPS, plus d'images par seconde. Donc avoir une plus grande fluidité. Mais l'inconvénient, c'est que maintenant, il y a ce genre de petits artefacts. Alors que j'ai pas une carte bas de gamme, hein. Donc, alors on est en train de plus en plus de partir sur la gauche. Donc on va forcer un peu plus. J'étais au 0,65. Bon là, je l'ai laissé revenir. On va repartir au 0,60. Carrément le 0,60, et on va en profiter pour recaler le gyro, ce qui est pas forcément une mauvaise chose. Oh, c'est quoi ça? C'est un lac ou une rivière? Il y a la jolie canadienne qui se peint le corps, qui stream. Emily, il a pas parlé d'une pilote. Hop. Bon, normalement, point de repère numéro 2, il y a ce lac qu'on va appeler le lac. On ne sait pas en fait comment on va l'appeler. On doit passer. Ah, c'est le lac Riss. Donc Riss, c'est pas Riz. Riss en anglais, c'est pas Riz. Le Riz Riz. R-I-Z. Et non pas le Riz de la voile. Qui s'écrit R-I-S. Donc on doit passer juste sur la côte droite. À droite, bâbord. Eh ben, le v'là le lac. Eh ben, il faut qu'on soit là. Voilà. Et c'est pour ça que là. Nichecoute. Et là, sur mon live, d'un coup. On passe de 40 personnes à pouf, 10 personnes. Ah, bravo J1. Mais c'est interdit les live Peggy 18, non. Dans la truc de Twitch. Dans le. Comment ils appellent ça? La charte de moralité, là. Enfin la charte des trucs à suivre. Toute dénudation, là. D'ailleurs, il y en a qui trichent un petit peu, hein. T'es pas censé, pour un garçon par exemple, t'es pas censé streamer torse nu. Après, tu peux dire, ouais, je fais un cosplay de Raon, le fils des âges perdus. Je sais pas si ça marche. Alors, on en est où? Est-ce qu'on rattrape notre radiale? Un petit peu, hein. Elle rentre un petit peu, c'est bien. On est au cap 0,60, on va recaler le gyro. Pop. On est toujours sur le frontal. Ouais, je vais peut-être manger l'arrière. On va peut-être manger sur l'arrière pour ramener le centre de gravité sur l'avant. Donc hop, on se met sur l'arrière. On va vider l'arrière. On a la queue de l'avion un peu lourde. Mais non, c'est je vous ai dit que c'est interdit par Twitch. On n'a pas le droit de le faire. Ou alors c'est rare en survêt. Le
le fils des âges farouches. C'est pas ça ? Fils des âges farouches. Un truc comme ça. J'avais du mal à le prononcer quand j'étais petit. Le fils des âges farouches. C'est imprononçable, le fils des âges farouches. Le live des âges farouches. Non, survêt avec la jupette en peau de pichette par-dessus, quoi. Là, ça, on a le droit. Ça, on a le droit, c'est autorisé. Après le problème des trucs que tu autorises et que tu interdis, quand tu fais la liste des trucs qui étaient interdits, il y a toujours moyen de jouer avec ah bah ça c'était pas écrit. Et après tu te retrouves avec des brochures quand t'achètes ton micro-ondes, tu faut pas mettre le chat, faut pas mettre le chien, faut pas mettre l'écureuil, faut pas mettre le kawik, faut pas mettre le hamster, faut pas mettre les grenouilles. T'as plus un manuel, t'as un bouquin de 150 pages avec toute la liste des animaux qu'il faut pas mettre dans le micro-ondes. Tout ça parce qu'il y a un gars, il met un truc et puis il dit ah c'était pas écrit, je pouvais pas le savoir. Bon, on va mettre un point de... Parce que là, on sait où on est. Je suis désolé, on n'est pas perdu. On est à Beftley. Je pense que ça doit se prononcer un truc comme Beautley. Ça doit se prononcer un truc comme ça, hein, je pense. Après, on passera au-dessus de Harwood. À l'anglaise, Harwood. Oh, hey, il y a Gore Landing. Excusez-moi. Gore's Landing. Pop. On va pas se moquer des noms anglais. C'est trop facile. Bon, donc, on a loupé. Beautley. Repeat after me. Beautley. Partager les gadgets quand tu les errant. Non, je les gardais pour moi les gadgets. Bah, j'étais petit et les gadgets c'était pour moi. Au niveau radial, on a quasiment récupéré. Je pense qu'on devrait être au-dessus de. Quoi ? Non, moi il me semble qu'on est bien. Là, je me vois bien, je suis au cap 0,70. Pourquoi il me dit que je suis pas sur le. Il faudrait que je sois plus près ? Encore plus près ? Oh, et quoi que c'est au 0,72. Maintenant que j'ai mis un point, il me dit que le cap c'est 0,72. D'arrêter le. J'ai moi de m'envoyer un lien, je vais être obligé de faire une pause. Oula, attends, j'ai appuyé sur un truc. Non, c'est bon. Allez, on est sur la bonne route, c'est le principal. Il nous reste 30 nautiques. On
on est dans un petit quart d'heure. C'était combien le notre estimé? 28. Ça le fait. Ça va le faire facile. Ça c'est Harwood. 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 Le bois de Har. On voit les deux les pointes, la petite bille au bout des pointes et donc Harwood. Harwood. Et pip pip bomb. Donc ça roule. On sait toujours où on est. Cap 072. Le truc il veut se barrer là-bas. On a peut-être un petit peu de vent qui nous pousse, un petit peu de vent qui vient du nord là et qui nous pousse par là. Possible, hein. Souple les règles de Twitch. Ouais, je sais pas. Après, s'il y en a 20 qui font ça, bah, les règles elles vont être changées et puis plouf, plouf, plouf. Plouf, plouf, arrive au bout du lac. Est-ce qu'on reprend un top position quand on sera au bout? Par contre, il faut détecter précisément où est le bout, quoi. À la recherche du bout du lac Riss. Ah, il y a Hastings. Hastings, la bataille. Mais on le verra pas, Hastings, hein, je pense. Ah, quoique. Et il y a la route qui va à Hastings. Est-ce qu'on est capable? Est-ce qu'on est capable de voir Hastings? Alors là, il y a un terrain. Elmire, Elmhurst Report. Resort. Resort. C'est quelque part. Ah bah si ça tombe, c'est là. Ouais, c'est ça. Ça c'est une piste en herbe. Attends, on est où? Ah vache, je suis perdu. C'est celle-là. Ok. Donc. Ah, je vois plus. Eh ben là-bas, il y a une ville. Et à tous les coups. Hastings. Mais bon, c'est pas la peine de s'embêter, on est quasiment arrivé. Si on note qu'on passe à Hastings, on est quasiment sur Camp Belford. Camp Belford. Oh oh. Donc on va pas s'embêter à le noter. Hein. De toute façon, on n'est pas perdu là. On chipote parce qu'on s'ennuie un petit peu. C'est tout plat, le vol est hyper tranquille, il fait beau. Donc on chipote un peu, on essaye de se perdre en se disant ah, j'arrive pas à trouver Hastings. Et il manque de pour la trouver. Alors par contre au niveau cap, ouais, faudrait peut-être quand même essayer d'aller rester au 0,65, Bob. Ce serait pas mal. Hein? Pop, 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 pop. Sans essayer de gratter un petit peu qu'elle parte pas trop à gauche. Presque cap 0,60. Ça serait bien le cap 0,60, tiens. Loup.
On va recaler le gyro pour être sûr. Pop. Sensible, moi, non, ouais, il traîne un peu des pieds, mais amourante, elle s'est déjà fait, ban une semaine, je crois, par exemple. Alors, je suis pas amourante, hein. Je l'ai vu sur Twitter. J'ai vu l'annonce du truc, les gars, il y avait des gars qui pleuraient. C'est fait ban. La pauvrette. Hein. La pauvrette. Hein. Voler au 0,60. J'ai pas le temps, je pilote. Ne distrais pas le pilote, Jewan. Minecraft sent bien adapté pour faire des zeppelins. Oh bah ouais. Où est Stings? On l'a paumé? Attends, il était dans le coin. Ah, il doit être là derrière le poteau. Oh, on n'a pas l'occasion tous les jours de voir Hastings. Hein. Je pense qu'il est là, Hastings. Ouais, il y a la route qui fait ça. Il y a une route qui fait ça. Hop. Une route qui fait ça, une route qui fait ça. C'est celle-là qui m'intéresse parce qu'elle passe sous moi. Donc, la route qui fait ça, elle passe là. Là, 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 là. Elle arrive là. Là, 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 là. On va bientôt passer au-dessus. Ah, il y a cette rivière là. Cool, cool, cool. Oh, celle-là qui fait squick, squick, squick. Oui, j'ai la route qui fait squick, squick, squick. Et on est quasiment au croisement ici. Donc je regarde la carte et je dis, ah, on est quasiment au croisement. Ça veut dire qu'on est là. Bah donc pourquoi il indique qu'on est à... Normalement il devrait indiquer la radiale à droite. Ah, indique dessus ce coup-ci. Ah, petit fripon. Bon, ben, on va reprendre le 0,70. 0,75 maintenant, d'après... ouais. Le cap pour aller vers la DL, pour aller vers le bord. 0,75. Alors, tout à l'heure, j'étais basculé sur l'arrière. On va vérifier. On va reprendre notre cap. Et on va vérifier. Où est-ce que j'ai touché ça ? Touche pas ça. Touche pas ça. L'arrière. L'arrière, l'arrière, l'arrière. C'est bon, il en reste 16. Hop. ...1066 à Styx. Fredo, est-ce que t'as pu, est-ce que t'as regardé Cathy Jewan? J'entrave que puis que à ce qu'elle dit, mais elle a une voix trop et super aiguë. Par contre, ça a l'air costaud. Oh, changement de météo, on a moins bonne visibilité. Par contre, elle a l'air super costaud, la fille, en ski et en aviation. J'ai suivi ses procédures un coup, elle atterrissait à Chambéry. Pop, 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 pop. Là, il y a du métier. Elle gère la fougère. J'ai regardé, je suis abonné. Enfin, on va abonner. Moi, je suis jaloux. Alors par contre, quelle pipelette. Quand tu comprends pas l'anglais, du coup, tu te dis, bon, elle est un peu longue à mettre en route son A320.
Et blablabla. Bla 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 bla. Eh, salut Clampin. Merci pour les 62 bits, Pas-de-Calais. Bouah. Et tiens, t'es pas au boulot. Eh ben cool. Cool. T'as pas compris le nom de la streameuse, Pierre? C'est Cathy. Cathy Pilote. C-A-T-H-Y. C'est une pilote réelle d'A320 qui est, je pense, au chômage, donc elle stream. Il y a beaucoup de pilotes qui streament. Il y a beaucoup de pilotes au chômage. De vrais pilotes de gros d'avions. Qui c'est que je suis, Fina? Bon, et Campbell Ford. It is Campbell Ford. Yes. Et quasiment là où on devait passer. Pop. Ouais, on aurait dû passer là. On aurait dû passer un petit poil à gauche. Alors, au niveau de la radiale, on est complètement dans les choux, mais c'est normal vu qu'on est tout près du vore. On va continuer au 0,75. Hop, clac clac. Hein, parce que donc on vient de passer Campbell Ford et le vore est juste derrière. Donc après passage du vore, on va filer au 0,64 pour une longue route. Donc on saura qu'on aura basculé le vore là quand on va basculer le triangle avant vers le triangle arrière. Tchac tchac. Tac tac tac. Et donc on prendra un top. On devait passer à 28, il est 24. C'est Cathy avec un K. C'est pas C-A-T-H-Y. C'est Cathy K-A-T-I-E. Oh, c'est pareil. Cathy. Après, tu veux pas louper. Hein. Elle est blonde et elle a une voix bien perchée. Elle a une voix bien aiguë. Un petit rire grelottant. Je me moque un peu, mais non. Je suis assez admiratif. De ces gens qui s'embêtent pas assez à leur boulot pour en refaire. Bon, là, le problème, je pense, c'est qu'ils volent plus. Donc, quelque part, ça leur permet de faire un entraînement, de garder des automatismes, même avec un simulateur en fait. Je continue d'écouter les contrôleurs anglais pour essayer de voir si je peux comprendre ce qu'ils disent, histoire un de ces quatre d'aller faire du vol en réseau autour du monde. Mais alors, ce qui est marrant, c'est les différences en fait entre l'accent anglais et l'accent américain, enfin les accents anglais et les accents américains. Pop. En fait, il n'y en a pas un qui parle de la même façon que les autres. Au fait, clac, on a basculé. 26. On va peut-être basculer à 25, hein, mais tant pis, on n'a pas fait gaffe. Donc, top chrono. 16h, allez, on va mettre 25. De toute façon, le prochain, c'est dans 61, donc ça fait 17h26, Zulu. Donc 18h26, l'arrivée à Ottawa. On réglera le 114-60, mais un peu plus tard. Là, on va prendre le cap
Non, pas le cap 111. Vous me l'avez déjà fait celui-là. On va prendre le cap 064. Hop. Oh, bon, on est bien. On va recaler le gyro. L'avion, il a pris le cap. Hey, cet avion, c'est un vrai cheval. Il connaît l'adresse de l'écurie et il va tout seul. Prochain live de Z en pyjama Pikachu. J'en ai pas de. J'ai pas de pyjama Pikachu. C'est quoi un Pikachu? C'est un truc sale? C'était quoi ça? Changement de météo? Le moteur s'est pas arrêté donc c'est pas un problème d'essence. Sinon on bascule tout de suite sur le central. Mais non, ça a l'air ok. Je pense que c'est un changement météo. Donc on va se faire pousser par le bord sur la radiale 064. On va récupérer incessamment sous peu. Et puis dès qu'on aura un petit peu le temps, on se branchera. Mais c'est juste pour indication, puisqu'on va pas se diriger vers le bord de McDo. 114. D'ailleurs, c'est pas le bord de McDo. 114-60. Et je pense que ça m'étonnerait qu'on le capte en plus. Exact, on le capte pas. Donc, bah on est loin, on est à plus de 100 nautiques. Ma fille en a un, je te l'envoie si tu veux, Fredo. Je rentrerai pas dedans. Il fait un bruit à démonter les oreilles. Ouais. Ah, c'est un moteur en étoile. Hein. Vous voulez attention aux oreilles. Ça, c'est du moulin. 9 cylindres. Tac, 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 tac. Voilà, ça, c'est du moulin. 9 cylindres en étoile. Alors, on a ça là. Ah. Allô Houston. Non, non mais B17, oui, mais je l'avais réglé très très bas le B17 parce qu'il faisait vraiment beaucoup beaucoup de bruit aussi. Ouais. Elle a grandi ta fille. Ok. Alors, ça a l'air assez gros pour être visible sur la carte, non? Il y a un tout en long. Et un petit là, une petite crotte. J'arrive pas à les voir sur la carte. Voilà, on est déjà loin. Non, c'est pas possible. Ce serait pas cela. On va essayer de regarder la forme. Est-ce que c'est cette forme là, à côté de Madoc? Ah. Ah oui, puis là il y en a un petit. Papa ours, maman ours, bébé ours. Papa ours, maman ours, bébé ours. Ok, donc on est ici. On est sous maman ours. Donc alors qu'il faudrait qu'on soit là-bas. Ok, d'ac. Donc ah bah ouais, tiens. Ah, puis notre radial est bien là-bas. Allez, on va la chercher. Non, on n'est pas perdu, Pierre, tu vois. Ça roule. Ça roule. Allez. Il aurait fallu qu'on passe le long de ce truc-là. On n'est pas très très loin, en fait. Hein. À vol d'oiseau, par contre, on va essayer de garder nos 4000 pieds.
vérifier la radiale là dans le coin. Si elle rentre, normalement elle devrait rentrer. Rentre, petite radiale. Attends, faut que je fasse comme ça. Alors je fais une passe de Jedi. Hop. Ah, vous la voyez pas si je la fais pas. C'est où la passe de Jedi? Bah ouais, le truc à clapper, tu sais bien le truc à clapper. Ah mais il fait exprès. Du coup on a Madoc dans le coin là. Where is Madoc? Madoc is here. Gentlewoman and gentleman, that is Madoc. Je parle anglais puisqu'on est dans une province à grosse majorité anglophone. Hop. Alors, voilà, la radiale elle rentre. Oui. On va la récupérer. Dès qu'on sera dessus, pouf, 0,65. Fin G in the nose. Ta 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 ta. Fin G in the nose. Ta-ta-ta-ta-ta. Allez, viens, petite radiale. Hop, viens voir papa. Remettre moi de la belle plante hein. Bon, on dit que c'est bon, cap 0,65. C'est le générique de quoi ça? Ouais, moi j'arrive pas à parler avec une petite voix comme ça, toute petite. Cathy, elle parle comme ça, avec une petite voix toute petite comme ça, puis elle parle très vite. Elle parle très vite, et puis Non, elle rit pas tout à fait comme ça, mais bon, c'est le style. Mais je me moque pas, hein, je le répète, et si vous aimez l'aviation, si vous comprenez un peu l'anglais et les pratiques, elle fait vraiment des trucs bizarres. Elle vole qu'avec un seul moteur, elle se fait des hippodromes dans tous les sens, vache. Bon, cap 0,65. Et salut cousin. C'était la guerre des étoiles. J'ai plein de musique dans la tête et parfois j'en ai même deux. Alors 0,65, 3900 pieds, on est sur l'arrière. On est en train de bien le siphonner, on va se méfier. Bon, le but c'est de le vider. On a une radiale à peu près ok, on va se méfier, on a un degré de moins. On va essayer de se choper le prochain. Toi plaisir et fredonne ou chantelet. Et dit, j'ai écouté 15 secondes, c'est très très dur de soutenir son anglais à Cathy. Ouais, moi je. Quand c'est relié à des trucs techniques d'aviation, ça peut encore aller. Parce qu'en fait, elle explique. Quand elle explique en montrant des trucs, ça peut aller. Mais dès qu'elle se met à raconter des anecdotes ou des trucs comme ça, elle
Elle parle trop vite. Trop vite et trop pointue. Mais tant que ça reste technique... Ça va à peu près. Voilà, il y a du petit lac partout. Hein. Oh oh. On va essayer de repérer si on a d'autres points de repère intéressants. Donc on est passé là. Là c'est tous les petits lacs. Tous les petits lacs. Pop, 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 pop. Alors on va passer près de Kalbar. Donc Kaladar. Et c'est pas évident qu'on le voit. Faut qu'on essaye de repérer cette route là. La route numéro 7, la nationale 7. Nationale 7. Tac 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 tac. Actinolite. Nationale 7. Ta 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 ta. Dalida. Ouais. Après, il y a des airs. Comment on va appeler ça? Des airs entêtants. C'est pas forcément des super chansons d'ailleurs. Des fois, c'est des vrais bouses. Enfin, des trucs. Après, une bouse, c'est forcément personnel. Hein, parce que ça peut plaire à quelqu'un, pas plaire à l'autre. Mais des chansons que moi, je n'aime pas. Et je vais réussir à avoir l'air dans la tête. Du coup, quand c'est une chanson qui te plaît, c'est pénible, mais ça peut t'aller. Alors quand c'est une chanson qui te plaît pas... Ça c'est encore pire, c'est... T'as même pas besoin de l'entendre ou autre, tu lis... Là. Tu lis trois mots et qu'est-ce que c'est que ce beans là? Je prends et la pompe que je viens de me prendre là, 1000 pieds, j'ai pris 140 de vitesse. Ah, le coup de pied au derrière, ça c'est de la pompe. Alors après on peut dire oh, c'est pas réaliste. Moi je me rappelle dans un Cessna. C'était tout calme, tranquille, et d'un coup ça commence un peu à bouger, et blam, je me suis tapé la tête dans le plafond, et je suis pas grand, il y a de la place entre ma tête et le plafond, alors que j'avais la ceinture attachée, je me suis quand même soulevé, et blam, vache, impressionnant. Les deux jokers à droite, ce sont les crashs. Non, Mathéo, c'est mes droits au joker. Mais c'est si la météo est mauvaise. Et aujourd'hui, on a de la chance, la météo est bonne. En fait, c'est s'il y a de la neige. On a déjà essayé de voler avec le castor sous la neige. En fait, il s'écrase parce que elle s'accumule sur les ailes et il est trop lourd et paf, il s'écrase. Et donc, dans ces cas-là, je joue mon joker, c'est-à-dire je change la météo. J'enlève les précipitations. S'il y a des turbulences, par exemple, hop, et j'ai le droit à deux jokers par vol. Histoire de faire quand même le vol. C'est-à-dire des conditions où on aurait remis le vol au lendemain, parce que souvent ça arrive en aviation. Là, du coup, on arrive à le réaliser parce que on se prend pas la tête. Alors on se méfie toujours hein, du réar. On attaque, on va bientôt attaquer les 4 derniers galons. Donc un galon c'est combien déjà? Il faudrait que je l'écrive quelque part en gros. Style papier collant.
du Robin. Ça t'a marqué aussi ce coup-là. La vache. Non, mais c'est bien les gars qui potassent leur sujet, quoi. Environ 6 livres par galon. Où qu'on est? Moi, je vois un truc. Si on le trouve pas sur la carte. Et on a la National 7 là. National 7. À moins que ça soit une autre. Parce qu'il n'y a rien qui ressemble plus à une nationale qu'une autre nationale. Voire une départementale. Hein. On va essayer de chercher ça. C'est gros. Oh, c'est ça. Oh oui, c'est ça. Une route. Regardez, il y a... Il y a une forme de flèche avec une île au milieu. Flèche, île au milieu. Et petite île. En fait, c'est pas une île, c'est une presqu'île accrochée là. Et voilà, on valide. La petite île accrochée là. Plop, plop. Et là, on est bien sur la National 7. Être à gauche. Allez, on file à gauche. Hop, hop, hop. Ah bah ouais. On devrait être à gauche. Il faut toujours être à gauche. C'est mieux. Les plateaux repas des avions sont légers et fades. C'est pour ça. Et moi j'ai pris l'avion... la dernière fois que j'ai pris le gros avion, c'était... Non, c'était pas la dernière fois. L'avant-dernière fois, c'était pour aller au Canada. C'était sur Air Canada, d'ailleurs. C'était pas fade, hein, mais c'était pas léger. 3,7 litres, c'est le galon américain. Je l'écris, mais... J'ai peur de le... Je l'écris sur mon cahier, sur la dernière... Sur la page de couverture. 78, 5 litres, 1 gallon US. On va pas compter sur la reine d'Angleterre. C'est pas faux. On est où? Donc on est, on va considérer qu'on est là. Hop, voilà. Il nous reste encore 73 nautiques. Après on en aura, le Dal, le Dale, Talus Lake. Mais je sais pas si on arrivera facilement à le repérer. Oh, si, il est assez gros quand même. Parce que la National 7, elle s'en va. Hein. Pop, pop, pop. Adieu la National 7. Au revoir, petite National 7. Tu étais bien gentil, petite National 7. Merci, Jewan. Je comprends mieux que tu mettes du temps à répondre aux demandes. Si ton cahier est un papier collant. Oui, capot 065. Ah bah oui, il est là, le lac. Pop, 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 pop. Pop, pop, pop. Ah, pourquoi ça bouge? Ah, on a perdu un truc là. Ou on a regagné. Je sais pas trop. Allez, 0,65. Poup. Atugé. C'est ton dernier prix. On recale le gyro. On se met peut-être plat. Ce serait pas mal. 0,65. 4000 pieds. On est sur l'arrière. Toujours l'arrière. Il va peut-être falloir voir changer de réservoir. On passe sur le mid, le central. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce serait pas bête. Ce serait pas une bête idée. Hop.
Salut Isoris, merci pour le suivi. Ouais, Mélodie avait donné la réponse aussi, donc 3 litres et quelques. En fait, c'est presque 4 litres. Bob. Est-ce que tu pourrais voler droit? Après, pour les trucs vraiment importants, j'ai mon petit calepin. Par exemple, j'ai les couleurs Minecraft. 0 c'est blanc, 1 c'est orange. Donc ça, je l'ai mis dans mon petit lit, dans mon petit calepin. Des fois, je mets aussi, je mets des feuilles volantes dans mon petit calepin. Et je crois que là, je viens de faire une bêtise. Ah. Le galon, je devrais peut-être plutôt le mettre dans mon petit calepin. Donc là, je mets mes trucs de fusée, par exemple. Donc, un galon US égale 3,785 litres. Français. C'est français, monsieur. Hop. Sinon, depuis que j'ai commencé à streamer, j'ai gardé mes cahiers. En avoir 4 ou 5 des cahiers de entre 100 et 200 pages. J'ai aussi gardé mes cahiers de quand j'étais en programmation. Ça fait longtemps que je fais ça. Et là je faisais beaucoup de dessins géométriques. Il y a encore beaucoup d'actifs sur les cubes. Je suis assez étonné en fait. Encore pas mal d'actifs. Et là on est super stable. 0,60. Oh bah. J'ai ouvert le. La cachette à sandwich. Et 4000 pieds. Tu voudrais être à 3900, 4100? Non, 4000 pieds. Vario à 0. Capo 0. Ah, oh, bah, suffit de le dire. On était pile au 0,65 quand je l'ai dit. 28 pouces, 2000 tours minute. Pop, pop, pop. C'est une horloge qui tourne ce bijou. La radiale. Voilà. Tu vois ça que dans les films. Tellement c'est beau. Hop. Par contre, le 0,65, c'est pas ça. Hein. Alors, c'est quoi ce lac là? J1 aussi fait des dessins. Moi c'était plus des dessins compulsifs. Pour m'aider à me concentrer. Chaque ici, une petite île là, tac 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 tac, c'est lui. On est là. Allez, on met une coche sur notre carte. Toc. Ouais, c'est ça.
simple, il y a une petite route qui passe là. Ouais, ouais. Ok, c'est bon. On n'est pas perdu, donc on est à 60 nautiques de l'arrivée, messieurs, dames. J'en faisais aussi à une époque, mais le problème c'est que comme j'écris sur des cahiers et que je garde mes cahiers, philosophiquement je pouvais pas faire de mandala. Philosophiquement c'est un bien grand mot, parce qu'en fait le mandala il est censé être être détruit. Il a forcément il y a la notion d'éphémère. Après Il y en a qui font des bouquins de mandala, donc là on est complètement normalement de mandala. Dans le principe, c'est pour tu fais quelque chose de beau. Enfin, si j'ai compris le truc, hein, parce qu'après il y a moult interprétations. Hein. Mais comme tout a un début et tout a une fin, bah, la fin c'est la suppression de l'œuvre. À l'époque, je m'étais dit, tiens, je vais faire des mandalas sur Minecraft. Mais il faudrait le faire sur des maps style hardcore. Où tu meurs, boum, c'est détruit. Quoique, une map hardcore, tu la gardes, tu peux encore venir en visiteur. Ah, ça va pas. C'est, il faudrait faire une map, tu construis le truc, et à la fin, tu détruis tout ce que t'as fait. Voilà. Mode bug. Tu veux une croix rouge? What it says? What it says? Bon, ben tous nos paramètres ils sont poète là. Le beau 4000 pieds, ben on l'a raté, on est plus. Le 0,65 on le tient. Bon, ça c'est bon, tant qu'on tripote pas les boutons, c'est bon. Ah, la radiale c'est bon. Non, il y a quand même des trucs, qui gardent. On va commencer à se préparer l'ADF pour l'arrivée. On avait noté un ADF. C'était quoi? Non, on avait noté ça. On avait noté un ATIS 121-150, mais on n'avait pas noté d'ADF. Donc on va noter... Ah, c'est marrant ça. Vous avez vu? Basculer l'entrée d'air en négatif, il vaut mieux pas toucher à ça. Hein. Hop, l'ATIS, j'ai dit combien? 121-150. Bon, on le capte. Carp Weaver. Non, c'est McDo qu'on veut. Bon, on n'a pas dû capter le bon. On n'a pas dû capter le bon. Oula. Pas bien là, chef. 0,65 s'il vous plaît. A tout, Fredo. Et après, quand tu as mélangé tous les grains de sable, il faut les trier par couleur. Ouais. Alors après, t'es pas obligé de faire ça avec des grains de sable. Si c'est un peu dans la nature, il faut que t'aies des grains de sable. On arriverait sur le gros lac que j'avais montré tout à l'heure. Yes, c'est lui. Il y a un petit lac, le Stump Lac, à gauche, un autre lac ici. Et Delus Lake. C'est lui. Stop.
Dac. Pelouse. Hop. Bon, ben, on est sur la radiale, hein. Ouais, ben, ça se confirme. Pile. Hop, hop. Non, ben, on dit McDo, ça donne pas faim. Ça, au pire, ça donne une crampe d'estomac ou envie de vomir ou. La bave qui coule en ayant une irrésistible envie de manger la table, ça donne pas faim. Non, mangez ce que vous voulez, les gars. Explosez-vous les veines. Ayez des problèmes cardiaques à 30 ans. Bon, on prend un point là. Maintenant. Hop. On est là. Oui, encore 50 nautiques. Bon, on approche. Ah, Ottawa McDonald, quartier international information, November. Vent léger et variable, visibilité plus que 10. Condition du ciel, 4500 few, 23000 few, few c'est épars. Température moins 6, point de rosée moins 12, important le point de rosée. Altimètre 3041, bon les pistes on s'en moque puisque c'est pas là qu'on atterrit. Hein. 3041, ça c'est une information intéressante, et je crois que c'était à ça qu'on était. Chipotons un petit peu. Voilà. On revient au 0,65, madame. Et on coupe ce bazar parce que ça nous enquiquine. Voilà. Du coup, on atterrit où on veut. Alors, dans la vraie vie, on atterrit là où les avions atterrissent, sur le terrain, quoi. Et s'il n'y a personne, c'est nous qui choisissons. Enfin, si c'est un terrain non contrôlé, c'est nous qui choisissons. Si c'est un terrain contrôlé, c'est toujours le contrôleur qui choisit. De toute façon. On va pas pouvoir patiner sur le canal rideau. Trop chaud. Ah, il fait chaud, je pense, hein, même pour chez eux. Hein. Bon, nous, on a 20 degrés. Ah, je me demande s'il flotte pas. Non, il flotte pas, là. Ça s'est complètement couvert, mais il faisait... 17 degrés chez moi quand je suis arrivé à 14h30. Voilà, toujours le bord. Au niveau essence, on est à 12 gallons. On va se méfier. On est en mode. On consomme là. Hein. On est en régime. Pop. C'est quoi le point de rosée? Le premier qui dit que c'est la température à laquelle il faut servir le rosé, bon, moins 12, là, ça le fait pas. Eh mais, moins 6, c'est pas bon pour la patinoire, Dame Dodo, parce que moins 6, ça caille quand même, quoi. Alors, Hotbug, il dit... J'ai raté l'affiche. Elle est sur Twitter, l'affiche. Sinon, elle est quelque part par ici. Attends, elle est où? Oh là, il se passe quoi? Encore un trou d'air. Fâche. C'est pas la première fois que ça arrive, ça. J'aime pas beaucoup ça. Hop. C'est une patineuse. Trace Z sur la glace. Et il a un petit problème avec l'orthographe, Jowen. Bon, tout ce qu'il faut se souvenir, c'est que quand la température est proche du point de rosée, t'es mal.
c'est la température où ça se... Scientifiquement, je crois que c'est la température à laquelle l'air se condense. Elle se transforme en nuage. Donc quand ta température est égale au point de rosée, tu te retrouves dans le nuage, donc tu es dans le brouillard. Voilà. C'est pour ça que la température de point de rosée est toujours indiquée. Ça donne une... Je pense que ça donne ce genre d'indication, sinon... On s'en moque un petit peu. Hein. Alors, on est toujours sur la radiale, c'est bon. Je voulais chercher un ADF proche. Proche de là où on va. Où ça, on devrait le repérer, ce truc-là à droite. Un petit peu avant qu'on arrive. Parce qu'il faudrait qu'on s'enquille cette rivière, qui est la quoi d'ailleurs. Elle porte un nom. Ça porte un nom, ce truc-là. On va l'appeler Ottawa River, parce qu'elle a pas de nom. Oh, c'est marrant. Et ah oui, on voulait choper au cas où on ait un problème le 236. On capte toujours Yankee Charlie Foxtrot, ce qui est bien. Bon, j'ai toujours l'œil sur la carte, voir si je repère des trucs intéressants. Ça serait pas ça le truc que tout à l'heure j'ai dit. Non, ça serait trop beau qu'on y soit déjà. C'est le Saint-Laurent ? Déjà ? Saint-Laurent, on est d'accord qu'il passe à Québec ? Il passe à Montréal ? Ah, et là, il tourne. Il tourne et il monte par ici, là. Lac des Deux Montagnes... C'est lui, pourquoi ils l'écrivent pas? Pourquoi ils l'écrivent pas, Saint-Laurent? Pétawawa. Ah oui, Pétawawa. Eh, il faut qu'on aille à Pétawawa. C'est loin? Ah ouais, c'est un peu loin. Dommage. J'aurais bien été me poser à Pétawawa. Vous êtes bête. Eh, vous êtes quand même un peu gamin, quoi. Vous avez quel âge? Oula, on est complètement dans les choux. On est en train de faire des bêtises, là. Mais, eh, vous avez quel âge? En tout cas, c'est pas la loi. Hein. Méfie-toi, avec les noms, hein, quand ils sont arrivés, ils étaient en panne de noms, alors des fois, ils ont appelé des trucs bizarres. Hein. Alors, 0,65... Voilà, on a récupéré le coup, on est à 3900 pieds, c'est pas mal, on y reste. Au niveau réservoir, il me reste quoi? On est à 7 gallons, c'est bon, on peut continuer. C'est une base de l'armée à Pétawawa. J'ai vu que c'était quadrillé rouge, ouais. Sur OpenStreetMap, quand c'est quadrillé hachuré rouge, ça veut dire que c'est militaire. Ouais. Et salut Spooner. Du coup, vous dites vos âges. 7,59. Je suis le plus sérieux de toute la bande. Et en fait... Non, je suis le plus vieux, donc je suis le plus sérieux de toute la bande. Voilà, c'est ça. Donc on est tout bon. Jusque là, ça va. Expression de base.
Selma, ta rivière des Outaouais. Ah ouais, du coup, Ottawa. Ottawa, Outaouais. C'est le nom d'une tribu, ça. Gros lac à droite. Tout à l'heure, on cherchait un gros lac à droite. Est-ce que ça serait ce gros lac-là? Alors, c'est une succession de gros lacs hein, qu'on cherche. Poup. On va se mettre en vue extérieure, attention au bruit. Ah, c'est lui. Donc ça, c'est Carleton Place. Pop. Donc là, on aura Appleton. Je suis sûr que ça se prononce pas comme ça. Tac. Là-bas, c'est Appleton. Ah, mais on est trop au nord. Non, pourtant, ah, si notre route est légèrement à droite. Parce que ça serait Almonte. Almonte. Donc là, on est là. Plouc. Mais on a peut-être dévié un peu. On est peut-être un petit peu plus là. Bon, c'est pas grave. De toute façon, la grosse rivière, on peut pas la louper. Être devant. Ouais, c'est ça, c'est ça a une forme très très spécifique, le Mississippi River. Ah ok, vous êtes sûr? Elle est où? Elle démarre du Canada, la Mississippi River? Non. Ah, c'est une blague ça. Bon, ça c'est bien Almonte. Donc après on va arriver sur ton retour en fait hein. Pour l'abonnement 29 mois, un gros béco, merci pour le soutien. Gros bisous. Alors 0,65, continue au 0,65. Tiens, on a capté l'ADF, il est à droite, ça, c'est conforme puisqu'il va être à notre droite. À la limite, ici en réserve, j'ai le... Mais c'est vraiment si on est paumé. J'ai mis Yankee Oscar Whiskey. Alors, il est censé arriver à 26. Hein. Mais ouais, je l'ai mis 114,60. Là, la grosse. Donc le Saint-Laurent ou la rivière des Outaouais?
Non, oui, elle est là-bas. Avec une grosse ligne à haute tension devant. Ouais, c'est ça. Grosse ligne à haute tension. Et hop, rivière des Outaouais. Je vais baisser un peu la musique. Parce que là, il va falloir se concentrer un petit peu. C'est pas tout ça. Outaouais droit devant. Pop, pop, pop. Est-ce qu'on commence à descendre un peu? Oh! Je pense que c'est Carpe. On est un peu au nord de notre route, hein, ce qui n'est pas grave puisqu'en fait on enquillera. On va descendre un peu pour voir bien les bâtiments, puisque j'ai mis la scène d'Ottawa VFR, scène du groupe Canada 4XP. Je crois que le 4 doit se dire autrement, ça doit être des anglophones. Mais bon, moi je prononce, c'est Canada 4XP. On est au-dessus de Carpe, on va commencer à descendre doucettement. Le ici c'est le terrain est à 187 pieds, donc on va descendre à 1500-2000 pieds quoi. Donc on va réduire un chouï les gaz. On va tenter avec 25 pouces et ouh, il part. Il faut qu'on enquille là-bas en fait. Hein. Et on voit déjà le centre d'Ottawa. Allez, hop, on va pas le faire descendre trop vite. Ouais, je suis toujours trop haut de toute façon. Ouais, à 4000 pieds avec une piste à 187 pieds, ça va pas le faire, hein. On est d'accord. Allez, il prend de la vitesse tout de suite, il part à droite. Hein. Sérieusement. Moi je suis toujours hyper sérieux. Au passage là on a une zone militaire. Je la vois parce que je vois les hachures sur tout le truc là ici. Oh, oh, oh. On plaisante pas avec ça, on n'a pas le droit de survoler. Je pense qu'on n'a pas le droit de le survoler. Hein. Je pense que c'est interdit. Il faut qu'on passe juste en dessous. Mais c'est impeccable, c'est ce qu'on va faire. Pop, pop. Voilà. Tu vois pas le centre de d'Ottawa, Dame Dodo? Regarde, il est là-bas. Enfin, je pense que c'est le centre. Gros centre. Ah, c'est peut-être plus là-bas. De toute façon, on va voler bas au niveau des Outaouais. Et puis on va bien finir par voir quelque chose. On est déjà 2700 pieds. Il n'y a pas de ville, hein. Dans OpenStreetMap il n'y a pas de nom, donc a priori c'est déjà Ottawa, ça je pense. Ils mettent pas de nom particulier. Oula, City Skyline. Ah si, il y a Bell's Corner, Canada, c'est des noms de quartier j'ai l'impression. Alors Ottawa McDonald's, il va être à droite. Complètement à droite, mais il va être au niveau, il va être par là, il est quelque part par là. J'espère que ça va pas planter parce qu'il y a beaucoup de maisons, beaucoup d'objets, donc j'espère que ça va pas planter. Nous on file là, pop pop pop.
nationale doit être par là. On arrive à 2000 pieds. À droite, Ottawa, en Ontario. À gauche, Gatineau, Hull, au Québec. Ah oui, c'est la frontière entre le... entre les deux États, entre les deux provinces. Donc Toronto, c'est ici. Et Gatineau, Hull, c'est ici. Ah, et du coup, j'ai pas préparé mon drapeau du Québec. Bon, tant pis, ça sera pour le prochain coup. Parce que là, à Rockcliffe... Rockcliffe, on est côté... Ah, c'est bon. Donc c'est bon. Rockcliffe, on atterrit côté Ontario. C'est ça. Si on avait atterri à Gatineau, on aurait été au Québec. Alors, on a remis un peu de péchou. 1500 pieds, on va voler là. Donc, sacrée rivière quand même. Donc ce qui va y avoir d'intéressant à voir, le Parlement et tout ça, ça va être sur notre droite. Les papas sont les papas. Je pense qu'on va se faire le vol en... On va quand même vérifier que... Ouais, on est en légère descente. Oh, plus d'essence. Faut que je me mette sur le quoi ? Frontal. Oh vache, super beau. Oups là. Super beau réflexe. Je pense qu'il y a des bâtiments qui doivent correspondre à la réalité. Le Parlement, il a des toits verts. Il est facile à reconnaître. Cela. Je pense que le Parlement est là.
Les FPS, ils prennent un coup là. Il y a bon FPS. Donc voilà le centre d'Ottawa avec tout ce qui est Parlement canadien. Bon, c'est déneigé, hein. Y a que de la neige au sol. Voilà. Allez, un dernier petit coucou. Hop. Allez, on va aller se poser. Je vais me remettre un petit peu plus de son. Où c'est qu'on doit aller? Ah bah, faut continuer la rivière jusqu'au terrain. Ok. C'est simple. J'aime les plans simples. Hop, voilà. Oh bah, il est là le terrain. Oh bah, nickel chrome. Donc on atterrit dans le sens qu'on veut. Bah, on va se prendre on va atterrir sur la 27. Donc vent arrière, main droite pour la 27. Le terrain est à 187 pieds. Allumer les feux, hop, non. Donc, il faudrait être à 1200 pieds. On va remettre plein petit pas. La température, on va mettre la réchauffe. Hop. On descend à 1200 pieds. Le terrain, il est par là, quelque part par là. C'est bien, on a un bon point de repère avec la rivière. Donc, Québec, Gatineau, Ottawa, Ontario. 1400 pieds. De piloter un avion demande Fire Crystal. Je dirais non, il faut se former. Donc voilà notre piste. 1200 pieds. Allez, on lui remet un peu de patate. Un cran de volée. C'est pas avec ces avions là qu'il faut commencer. Hein. Quoique. Non, vaut mieux commencer avec un Cessna. Hein, Pierre? Pierre, il aime bien les Cessna. Je suis à 80 MPH. Faut que je le trim. Pop. Dès qu'on lui met des volets, il est on voit plus la piste, on voit bien les volets, ils sont sortis, c'est bien. Allez, virage. Normalement c'était 1200 pieds. Oh, c'est pas grave, on va être trop haut. La piste est assez longue, hein. 1000 mètres, moi ça me va. On va commencer à descendre, tiens. Ce qu'il faudrait pas oublier, c'est de couper la réchauffe carbu en finale, en courte finale.
Piste. Et on va virer un peu plus sec parce que sinon on va se manger le l'axe. Vitesse un peu élevée. On va finir de tout sortir. On est un peu haut comme d'hab. Un peu vite. Un peu pas dans l'axe. Tout va bien. Tout va bien. Hop. Vous voyez plus la piste? C'est pas grave, moi non plus. Ah, le plan est pas mal là. Moi je dis le plan est pas mal. La vitesse elle est en train de se casser, c'est bon. Hop. Hop, 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 un peu plus à gauche. Allez, on le laisse descendre. On n'a pas peur. On n'a pas peur de la piste. Faut pas la refuser. Il est rétif quand tu lui mets des volets, ouais un peu. Autant le Cessna, bon, pff, hyper stable, autant celui-là. On a toujours un plan de chute trop fort. Et ça c'est mon défaut. Hein. Hop. Elle est courte la piste, non? Pourquoi il y a un hélicoptère? Oula! Ouf, ouf, ouf! Vous pouvez l'éviter dans le futur en volant plus souvent. Vous avez vu le message? On vient de se faire un pylône. On l'avait encore jamais fait le pylône, hein. Donc, ouais, qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Je l'ai plaqué fort. Comme je voyais arriver la fin de piste, je l'ai plaqué fort au sol. Et boum, quand j'arrive, ouais. Merci, merci Fredo, merci J1 pour les bits. Vache de vache de vache de vache. On va réanalyser tout ça, mais comme je voyais arriver la fin de piste, j'avais retouché, j'ai enfoncé, j'ai tiré sur le manche. Le replay. Ouais, le replay, le replay. J'ai enfoncé le manche pour plaquer l'avion, pour plaquer la queue de l'avion, la roulette. Et en fait, j'ai l'impression qu'il a dû rebondir, du coup, et puis passer en pylône. Donc, vous avez dépassé les limites de la structure de l'appareil. Vous pouvez l'éviter dans le futur en volant plus soigneusement. Merci pour le conseil. Hein. Envie de faire un autre vol? Non, c'est fini. J'ai pas du tout envie de faire un autre vol. Bandit, t'as renversé ton thé. Oh là 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 là. Et j'ai peut-être freiné en plus, ouais. Il va falloir que je me paye un palonnier, il n'y a pas à dire, hein. Puisque là j'ai du tout sous rien en fait. Ouais, oui c'est ça, j'ai freiné à fond en plus. Je l'ai plaqué, j'ai freiné. J'ai pas fait que le plaquer, j'ai dû freiner aussi. Tout à fait, LSB yo-yo. Non, LZB. Suite, on fait pas un nouveau vol, on va regarder le replay. Mais c'est pas bon tout ça, c'est pas bon. Ouais, c'est le freinage. C'est structure en sur-G. Ouais, j'ai compris. J'ai compris.
jusque-là, ça va. J'ai pas encore eu mon cadeau d'anniversaire. J'hésitais entre plusieurs trucs. Je me suis dit, oh, un palonnier. Mais c'est vrai qu'on a les freins, on peut doser sur les freins avec le palonnier. On n'est pas obligé de mettre du tout ou rien, quoi. Et là, le tout ou rien, ouais. J'aurais pas dû freiner. D'autant que je devais encore avoir, je suis sûr que j'avais encore de la piste, hein, même si j'en ai mangé beaucoup, puisque je suis arrivé trop vite. C'est mon défaut, c'est mon défaut. Ouais, donc là, je me suis dit, hop, le petit rebond. Tiens, c'est bizarre le. Ah, et puis là, c'est le freinage. Et c'est marrant parce que les. Le truc, c'est pas relevé. Alors, il y a un autre truc qui m'a troublé. C'est ça. Je pense qu'il doit pas avoir la bonne position, le. Ouais, les ailerons, tout ça, ils ont pas la bonne position, les trucs. Vu qu'il est cassé, l'avion, il bouge pas du tout. Donc il faut pas se fier aux ailerons et machin, c'est pas bon. Parce que c'est sûr qu'avec des ailerons comme ça, le soleil est assuré, hein. Wouh. Non, mais c'est les freins, hein. Ouais. À un moment donné, je l'ai plaqué. Je pense qu'elle a touché, si, mais j'ai dû le plaquer, j'ai dû freiner en même temps. Donc là, la roulette plaque, j'actionne les freins, et comme la vitesse. Ouais, je suis encore à 60 000 terrestres, 50 nœuds. Ouais, c'est trop élevé. J'ai freiné beaucoup trop tôt. Donc là, il part. Pop, 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 pop. C'est au ralenti, hein. Le problème de ces avions, ouais, c'est avoir ses points de repère. Ouais, les points de repère, ils sont. Ah, puis moi, je suis habitué au classique, hein. Même si ça fait un moment en simu qu'on fait du. Ouais. Bon, ben, ça servira de leçon et je pense. D'ailleurs, les volets ont explosé là. D'ailleurs, je pense que. Du coup, il va nous facturer quoi? Il va pas être content, monsieur Rep. Réaliste, expansion pack. Oui, donc je crois que pour. Ben, je te laisse. Non, ben, je vais lui annoncer. Je vais lui amener une boîte de chocolat. Des boîtes de chocolat de Gatineau. Il doit faire du bon chocolat à Gatineau. J'irai plutôt à Gatineau parce que c'est le côté francophone plutôt que. Avion cassé. C'est l'hélicoptère qui m'a fait. Ouais, non, mais en plus, bon. Bon, cherchons une excuse. On va être clair. Il y a un hélicoptère qui est dans le circuit. En plus, il bouge. Non, mais sérieusement. Ça m'a perturbé. Vache, le mec dans sa scène, il a mis une animation avec un petit avec un hélicoptère. Cool. Qui a fait du verglas. Ouais, en plus. Eh, moins 6. C'est ça, moi. Oh, je ne sais plus. Bon, ben voilà, il fallait bien que. Ça faisait un moment qu'on s'était pas écrasé avec, hein. Le dernier coup, c'était dans les nuages.
Bon, à savoir. Bah ouais, je pense que pour le cadeau d'anniversaire, je vais demander un palonnier et puis. Parce que je crois. Ouais, donc moi je les ai pas, j'ai que 4 axes hein, sur ma poignée. Par exemple, si. Le problème c'est que tout est en anglais. Ouais, c'est ça, left. Left toe break, right toe break. Donc c'est les. Sur le palonnier. Donc le palonnier, c'est on peut enfoncer d'un côté, enfoncer de l'autre. C'est un axe. Et puis on peut avoir donc un axe avec le pied droit, tac tac, le pied gauche qu'on bascule comme une pédale, et c'est les freins. Et donc on peut avoir les différentiels en plus. Donc c'est plus ou moins fort et c'est plus d'un côté, plus de l'autre. Ce qui permet de se diriger d'ailleurs hein, sur au sol normalement. Même si là on l'utilise assez peu en fait. Et c'est vrai que j'aurais beaucoup moins le problème. Parce que je pourrais faire un freinage progressif. Alors que là, je peux pas. On va laisser throttle. On va laisser throttle, hein, sinon il n'y a plus rien qui va marcher. D'ailleurs, je vais faire échappement. Ploup, 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 ploup. L'hélicoptère, c'est les pierres. Bon, ben voilà. Bon, on est arrivé quand même. On va penser qu'on a un petit peu cassé l'avion, mais on s'en est sorti. Qu'est-ce que ça donne si. Alors attends, on va déjà sortir du mode replay. Tout est cassé. Je vais demander la maintenance report. On a quand même, il nous paye, il nous donne quand même 4 000 $ pour le vol qu'on a effectué. Donc il est assez sympa, quoi, je veux dire. Hop. Par contre, au niveau des gars. Non, mais de toute façon, on n'aurait pas assez de budget, hein. En banque, on a 61 000 dollars. Je pense qu'on n'aurait pas assez de budget pour la réparation, hein. Ok. Bon, bah voilà. Oula. Où on est parti là? Hop, voilà. Et ben voilà, fin du stream. Donc prochain stream X-Plane, où on tâchera de faire attention, d'autant on va essayer de faire deux atterrissages. Au prochain, on se rend, première étape, Montréal, où on ira se poser à Saint-Hubert. Ensuite, on prendra le goûter là. Et puis on redécollera et on ira à Québec. Alors Québec, il n'y a pas beaucoup de choix parce qu'en fait, il n'y a qu'un seul terrain, c'est Jean le Sage. De l'autre côté, ah si, il y a Saint-Jean-Chrysostome. Si, on ira à Saint-Jean-Chrysostome, j'aime bien le nom. C'est pas mal. On ira se poser à Saint-Jean-Chrysostome, mais on fera un tour. Et donc il y a une zone VFR, comme il y a une zone Ottawa VFR, il y a une zone VFR pour le Québec. Ça, on l'avait déjà vu parce que Québec, on y est déjà passé à l'aller. Enfin, quand on venait du Groenland, et il y a aussi une scène Montréal. Donc, on verra un petit peu ce qu'il y a à voir dans ces coins-là. Voilà, on fait ça la semaine prochaine. Normalement, c'est à 15 h. Mais si j'ai beaucoup de messages sur la rediff YouTube ou sur le Discord. Dans la catégorie avion pour me dire oh, fais ton live je suis canadien. J'arriverai pas à faire l'accent canadien. Comment elle fait Céline pour parler canadien? Non, j'y arriverai pas, faudrait que je travaille ça. Je suis canadien, j'aimerais voir ton stream l'après-midi, donc est-ce que tu pourrais streamer à 21 h? S'il y en a beaucoup, on décalera peut-être le stream de 15 à 21 h, je sais pas.
Ou alors on organise un vote. Ouais, mais un vote, c'est les franchouillards, ils vont gagner, puis ils vont dire: oh non, nous on veut le live à 15h, sinon à 21h on a bu trop de pinard et puis on peut plus voir, rien voir. T'as déjà l'affiche pour la semaine prochaine? Pierre dit, le mec paye, tue ses passagers. Non, non, ils sont pas tués, ils sont juste un peu secoués. On a fait une mise en pylône. Une mise en pylône, tu meurs pas forcément. Et il est quand même payé, faut qu'on en parle à Boeing. Donc on fait ça, on verra bien. Coluche a fait une chanson canadienne avec un bel accent. Je suis pas sûr que l'accent était terrible, non? Si c'est bien la chanson que je pense. Donc on fait ça. S'il y a beaucoup de demandes, on le fera à 21h. Enfin, faut que si j'ai l'autorisation de mon premier ministre. Bon, il a rien l'avion, à part les volets. À part les volets qu'on dégageait, on a même encore les hélices. Alors que t'as vu que sur le B-17, on les dégageait vite les hélices. Hein. Là, le con, il a rien pris. Alors que normalement, ça aurait dû dégager. Hein. Donc je pense que c'est pas géré au niveau de l'animation. Dans tous les cas, il garde ses hélices, quoi. Mais c'est bizarre. Ça est bizarre. Par contre, les pneus. Oups. Je pense qu'on va avoir des frais. Hein. Ils m'ont l'air crevés. Hein. Celui-là, il a l'air crevé. Celui-là, il a l'air crevé. Oh vache. Enfin, on verra bien. On verra bien le prochain coup quand on allumera le. Quand on allumera le PC et puis le. Donc, non, le jeu, en fait. Enfin, la simulation. Ah ouais, la chanson c'est Je lui ai dit viens. Ouais, bah c'est bien là, cette chanson-là que je pense. Mais vous êtes sûr que c'est les Canadiens? C'est l'accent canadien qu'il est cherché à imiter? Parce qu'il a l'air d'imiter aussi bien que moi. Avec les Paloniers, je les aurais peut-être pas, les Paloniers. Hein. Une spéciale Canada Tabernacle. Bon, on verra, on va voir. On en discute sur le Discord. On voit s'il y a du monde qui se pointe sur le résumé YouTube. Parce que s'il n'y a pas de demande, pop, 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 pop. Et l'autre, il est en train de nous narguer là-bas avec son Cessna là qui tourne. Lui, au moins, il atterrit. Petit voyou. On n'est pas équipé de missiles. J1, tu nous as pas mis un missile, un petit Sidewinder là. Dommage. Bon, ben, je vais vous faire des gros bisous, vous souhaiter une bonne soirée. On se retrouve demain à 14h pour faire du Kerbal. On va essayer de sauver Valentina. Elle n'est pas en péril, la Valentina, elle est juste en orbite. On va essayer de la ramener. Et puis ben, on fera peut-être des petits trucs avant. Je sais pas, on verra bien. De toute façon, on est là pour s'amuser et tant pis si ça tourne mal. 16h, 16h30, après le goûter, on part sur Minecraft Holy Cube, toujours dans l'espace, puisqu'on est sur le USS Enterprise NCC 1701. Il faut qu'on bosse sur l'intérieur. Dimanche, c'est repos, puis lundi, ben, on reprend comme d'hab. Je vous fais des gros gros bisous. Mouah. Merci au modérateur. Mouah. Merci aux donateurs. J1, mauvaise langue. Là, si on ramène Valentina, comme on a posé l'avion, elle va faire un petit atterrissage pile poil aux oignons. Elle a ses deux parachutes en plus, Valentina. Enfin, normalement. Oui, elle a deux paires de parachutes. Enfin, elle a trois parachutes, Valentina. Donc, elle devrait rentrer. Des gros bisous. Bonne soirée, à demain ou à plus tard. Au revoir. Tantantant.